There is something. Moi. Me. Là. Me. C'est par le témoignage. It's through testimony. De quelqu'un qu'on va essayer de venir au Seigneur. Of somebody that I came to the Lord. Et nous oublions souvent ça. And we forget it sometimes. Évangéliser. Hey, Jésus, venez à Jésus. Announcing the gospel. Ça ne suffit come pas. To Jesus, not suffering. Ton témoignage. Your testimony. Quelqu'un dans quelque part dans les bleds. Somewhere. Il entend ça. Yeah, it. Si Dieu a fait ça, donc ça veut dire que say, je veux voir ce Dieu-là. I want to see this God. Plusieurs parmi nous sont venus Many au Seigneur of us come to the à Lord cause because of le témoignage. The testimony. Le témoignage, c'est un moyen d'évangélisation très puissant. Of evangelizing, very powerful. Amen. Amen. Vous voyez? Do you see? Nous allons lire Luc 17. The book of Luke. Luke. Et à partir de verset 11. 17, starting by verse 11. 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils s'élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Voilà un événement qui s'est passé. This is an event pass. Le Seigneur allait quelque part, Jérusalem. The Lord was going on his way at Jerusalem. Oh, les lépreux, vous savez, c'est sous la loi, c'est des qu'on appelle under impurs, les impurs. The law, they are unclean. Il y en a 10. There were 10. Certainement, ils ont entendu parler du Seigneur que Jésus faisait ci, Jésus faisait ça, cela. The Lord do this, perform this. Mais quand ils ont entendu parler de lui, when they hear about him, et ils savaient qu'il passait par là, and they knew he was passing, les 10 se sont levés, the 10 stand, se tenant à distance, puisque selon la loi, il ne doit pas s'approcher. Distance, because they should not come near the Lord, according to the law. Ils ont dit, Maître, ils ont dit, Seigneur Jésus, ils ont dit, Jésus. Jesus. Et ensuite ils ont dit maître. After that, master, aie pitié de nous. Have mercy on us. Aie pitié de nous. Take pity on us. Parce que le Seigneur savait déjà, puisque because leur état montre qu'ils ne peuvent pas s'approcher. Know, and he know that they can approach. Oh, quand vous êtes guéri de la lèpre. When you are healed, ceux qui attestent que vous êtes guéri de la lèpre, what certify that you c'est are healed les from sacrificateurs. Is sacrificator, the priest, one. Et parmi ces lépreux, and among those, il y a ceux qu'ils appellent lepros, les païens. There was c'est les Samaritains. There was those who are called pagan or heathen. Ils sont dedans. Samaritan. Donc, le Seigneur dit donc, allez vous présenter au sacrificateur. The Lord tell them, go, go to the l'histoire nous dit que quand ils étaient sur la route, us, when they were on their path, eux tous ont été guéris. All of them were healed. Amen. Amen. Vous suivez? Do you follow? Eux tous ont été guéris. All of them were healed. Et sur les 10, among the 10, un seul retourne au point only de départ. One of them come back. Les autres ont poursuivi. The other one continued their way. On ne nous a pas dit comment ils se sont montrés là-bas. They don't mais tell us about ils ont how poursuivi they were examined leur marche. They go on their way. They don't return back. Voyez, le fait de poursuivre comme ça,
qui se disent comme la guérison c'est quelque chose de droit qu'ils méritent. Donc ils ont continué. Is a right that they merit, so mais, they continue. Mais le païen parmi Christian, eux the pagan, among them, est allé aux pieds du Seigneur. Come back to the feet of the Lord. Vous disiez vraiment ce que tu m'as fait là. And say, Lord, truly, je te suis reconnaissant. I'm thankful of this. Ça là que tu m'as fait là. What you have done for me. N'eût été toi là. If it's not you. Je suis mort. I'm dying. Vous voyez? Et le Seigneur and the Lord, de le regarder. Look him. Non seulement il a été guéri. Not only he mais was, le Seigneur ajoute saved, à sa foi. But add to his faith, the Lord, une, add to his une faith, bénédiction a blessing, que les autres n'ont pas reçue. The others have not received. Ils n'ont pas entendu cette phrase-là. They are not hear about ta this foi sentence. T'a sauvé, lève-toi. Your faith have saved you, stand up. Comment ont-ils fini? Dieu seul sait. How do they finish? Mais je viens sur le seul là, ce païen-là. But I come on the story of this pagan. Ce témoignage me fait penser à, this à ce testimony, que let me think about. Dieu demande God asks, que si tu, il te fait quelque chose, if he has done you something, va perform something to your life, le go, remercier. And thank him. Écoutez bien. Here, s'il te well, fait quelque chose, if c'est ce you que perform something to your life, il t'a fait. What he has done c'est to your ça que life, tu exposes. That's what you si expose. Dieu ne t'a pas fait quelque chose, if the Lord hasn't done et que tu fabriques and you made it by yourself, you un événement, it by c'est, yourself, c'est encore an là event, une malédiction. It's a curse. Dieu n'a pas besoin de ça. God don't need it. Il dit seulement, va dire au tien ce que Dieu t'a fait. God doesn't need it. Go and n'ajoute tell pas. What God has done to you, to your neighbors. Add nothing on it. Amen. Amen. Donc, so, ce jour, this day, nous allons dans la discipline. In discipline. Dire ce que Dieu nous a fait pendant les deux semaines de séminaire. What que nous avons reçu us during the 2 weeks of seminar or seminary. Ça permettra non seulement à ceux qui sont ici, not only to those who are here, mais à ceux qui sont au bout but those who du monde et qui nous observent à travers les, leur écran, and are looking que si Dieu t'a fait ça, screen, ce même Dieu this, qui t'a fait ça, the same God, et en mesure de leur faire ça là-bas. Is able to do it for me where tu, I am. Tu auras peut-être gagné une âme à travers ton témoignage. You will win a soul through your testimony. Est-ce que nous sommes prêts? Are we ready? Est-ce que nous sommes prêts? Are we ready? Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Je, on vous l'a dit tout à l'heure. We have told it for you now. Si vous voulez chanter après. If you want to sing after. Comprenez bien ce que le chant dit. Understand well avant what de venir the meaning of the song fredonner ça before ici. Singing here. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Let the Lord bless you. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Nous allons inviter le pasteur qui va conduire. We will invite the pastor qui va conduire to lead cette série de témoignages. This moment of testimony. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Bénissons le Seigneur Jésus. We bless the Lord Jesus. Acclamons le Seigneur Jésus. Clap for the Lord Jesus. Aujourd'hui, un grand culte de remerciement où nous allons bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait dans les deux semaines d'enseignement et de réveil spirituel. And spiritually awaken. Donc, celui qui a son témoignage the one who has his testimony, avance devant le peuple pour témoigner des bienfaits come here to du Seigneur pendant for what God ces deux semaines de réveil spirituel. Through these 2 weeks of spiritual revival. Alléluia. Amen. Témoignage. Testimony. Oui, avancez. Come. Pendant que les frères avancent, on acclame le Seigneur pour leur vie. In, we clap the Lord for their life. Dites ce que le Seigneur vous a fait. Just say what Lord did to you. De façon concrète et bref. In resume.
Gloire à Jésus. Je remercie beaucoup le Seigneur parce que ces deux séminaires m'ont transformé. Que son nom soit loué. Et peuple de Dieu, permettez-moi de chanter en son honneur. People of God, permit me to sing in his honor. Quand je pense à tout ce que tu me fais, je me demande qu'est-ce que je fais pour mériter. Acclamez, acclamez Jésus. 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 Il est mon roi. Jésus. Il est mon Dieu. Jésus. Il est aussi ton Dieu. Jésus. Il est mon sauveur. Jésus. Il m'a racheté. Jésus. Il m'a régénéré. Jésus. Il m'a transformé. Jésus. Il a tout mon pour tout. Jésus. Acclamez, acclamez Jésus. Il m'a racheté. Jésus. Il m'a guéri. Oh. Jésus. Il m'a consolé. Jésus. Il est mon roi. Jésus. Il est Seigneur. Jésus. Il est le roi de gloire. Jésus. Il nous a rassemblés. Jésus. Pour nous bénir. Jésus. Que ton nom soit béni. Jésus. Le Dieu des dieux. Jésus. Le Dieu des dieux. Jésus. Le Dieu d'éternité. Jésus. Le tout-puissant guerrier. Jésus. Héros vaillant. Jésus. Héros vaillant. Jésus. Héros vaillant. Jésus. Puissant dans les combats. Jésus. Héros vaillant. Jésus. Héros vaillant. Jésus. Puissant dans les combats. Jésus. Le Dieu d'Abraham. Oh, Jésus. Le Dieu de Isaac, Jésus. Le Dieu de Jacob, Jésus. Le Dieu d'Israël, Jésus. Le Dieu puissant, Jésus. Il est aussi mon Dieu, Jésus. Le Seigneur Jésus. Jésus. Je te loue, oh, Jésus. Je te bénis, Jésus. Je te magnifie, Jésus. Je t'exalte, mon Dieu, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois mon adoration, Jésus. Reçois la louange, Jésus. Sois éternellement, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu me fais des bonheurs, Jésus. Dieu de miracles, Jésus. Le Dieu des miracles, Jésus. Le Dieu des merveilles, Jésus. Il fait tout à merveille, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Je crie Alléluia. Crions Alléluia. Je crie Hosanna. Amen. Amen. J'ai beaucoup blasphémé contre ce réveil. I blaspheme more against this revival. Quand j'étais de l'autre côté. When I was overside. On me parlait de ce réveil, j'ai blasphémé beaucoup. They are talking about this, but I'm blaspheming. Voilà un blasphémateur qui vient témoigner. This is one blasphemer who is coming to testify for the power of Jesus. Gloire à Jésus. Que tout ça en soit lui. Quand j'étais rentré dans ce réveil. When I entered this revival. Et après mon baptême. After my baptism. Je dormais quand j'ai eu un songe. I was sleeping when I received a dream. Et j'ai vu un temple comme celui-ci. I saw a temple like this one. Tout était carrelé, tout brillait comme l'autel. Window pound like this, the altar. Et j'ai vu tous les dirigeants étaient en blanc. And I saw all the leaders on white. Et ils couraient, ils ont le feu en main. They have fire on hand. Ils couraient par-ci par-là, ils couraient. They're running everywhere. J'ai vu les chanteurs aussi en blanc. I saw the singers on white. Et j'ai dit ça, mais ils ont ce qui est étrange à mes yeux, c'est qu'ils ont le feu what en main. What is strange on my eye? They had sinon, fire je sais, on hand. On adore Dieu, on adorait Dieu. We are worshiping God. Mais ce qui m'a fait peur là, c'est le feu qu'ils ont en main but qui m'a fait peur. What afraid me was the fire on hand. Et à mon réveil, j'ai dit jamais ça. When là, I was ou bien awake, je suis. I say no. Parce qu'il y a un ami de notre église, l'ancienne église, qui I m'a dit. A friend of the old church who il a dit, tu sais, tu es rentré dans une secte, tu ne you sais know pas. You enter into a sect, but et moi-même, j'ai know. Commencé par réfléchir sur ce que mon ami m'a dit. Il a dit. I start thinking dit, about it. Mais comment un homme peut garder le feu en main et en train de courir tout le monde? How can man keep fire on hand and running with that? Et j'ai dit d'accord, j'ai oublié ça là. I said, okay, but I've forgotten that. Quand le prophète Élie était venu. When the prophet Elijah is coming.
Bon, je ne t'avais pas trop d'importance. I was not so acceptable for that. Maintenant, un jour, je viens à l'église, je vois le prophète Élie prêcher. Il a dit, ah. One day I saw him preaching. I said, oh. Évangéliste Jean-Gracien a dit qu'il ne va pas compromettre ce réveil. Evangelist said he will not compromise this revival. Quelqu'un vient de nulle part. Someone come from somewhere. La personne, on ne le connaît pas. We don't know him. Et il laisse la personne prêcher. And he leave the person starting preaching. Et j'ai blasphémé. J'ai dit, ah. Alors ils ont compromis le réveil. Ils ont compromis le réveil. The revival. Et le Seigneur me consolait. Le Seigneur me consolait. The Lord has consolated me. Mais après les deux séminaires. After the two seminars. J'ai dit, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, les deux séminaires, ce que le Seigneur m'a fait pendant les deux séminaires. Did you know seminary what God did to me? Je n'ai pas pu observer tous les jours. I'm not able to be there each day. Mais parfois, je vais chez ma soeur, je regarde à l'écran. Some moment, I went to my sister's house and seen TV. Mais le dimanche surpassé, le dimanche surpassé. Two Sundays before. Ce qui s'est passé. What happened? Oh, j'ai reçu une transformation totale dans ma vie de prière, dans ma vie de méditation. Gloire à Jésus, acclamons le Seigneur pour sa vie. Clap the Lord for his life. Oui, bien-aimé, donnez votre nom au peuple de Dieu. Give your name. On veut vous connaître aussi. C'est le frère John. Le frère John, soyez béni. John, be blessed. Témoignage. Si vous venez, présentez-vous. If you are coming, present yourself avant de donner le témoignage. Before giving the testimony. Et on veut de façon précise ce que Dieu vous a fait pendant les jours. What God had did in between those days. Oui. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis votre frère Esdras. I'm your brother Esdras. Je vais aller directement sur ce que Dieu a fait pour moi. I will see what God did to me. What Jesus said to did to me. Avant de finir par un petit cantique. And finish by one thing. Pendant le séminaire sur le mariage. Between the seminary of the marriage. J'ai reçu un enseignement de type nouveau sur le mariage. I receive a new teaching about marriage. Il y a des passages sur dans la Bible. We have some passages in Bible que j'ai découvert. That I discovered sur la vie de couple. On the couple life. J'étais émerveillé. I was so marvelous. J'ai beaucoup appris. I learned so. Et cela, ça fait que cela m'a amené. Le Seigneur m'a amené. And the Lord bring me à comprendre beaucoup de choses. To understand many things. Je rends grâce à Dieu. I bless the Lord. Amen. Durant le séminaire sur le second séminaire. During the second seminary. J'ai demandé au Seigneur. I asked to the Lord. Le don. The gift. De la parole de sagesse. Of word of wisdom. La parole de sagesse. Word of wisdom. Et je sais que le Seigneur, l'Esprit Saint me l'a accordé. I know that the Holy Spirit has given to me. Je rends grâce au Seigneur Jésus. I give grace to the Lord Jesus. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Tu n'as pas changé, tu es.
aussi pour nous. Oh, Jésus, tu y es. Alpha, Jésus, tu y es. Alléluia, acclamons le Seigneur pour la vie de notre frère. For the life of our brother. Il a demandé au Seigneur de lui accorder un don. To give him the gift. Et le Seigneur l'a fait. And God did it. Et sûrement, il a vu la manifestation. And certainly he saw et the il vient témoigner pour ce que le Seigneur lui a fait. For what God did to him. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Shalom. Ici, c'est la sœur Péniel. Moi, avant que les deux semaines de prière ne commencent, bon, je sentais des choses dans mon corps. After the starting of the two weeks of praying, je sentais I feel des attaques avant que la semaine ne commence. Donc, au moment du deuxième semaine, at the second week, avant même, je voyais que j'étais en train de maigrir. I saw that I become slim. Un jour, j'ai quitté la douche et puis ma fille me disait, maman, tu maigris. Hein? When they come back, and my father says, même moi-même dans slim. Mon corps, je voyais que ça n'allait pas. Et la peur des choses qui viennent dans mon pensée, je rejetais ça. Donc, ouais. Elle m'a dit, maman, tu maigris. Et j'ai dit, non, c'est le carême. Donc, je suis partie devant le miroir, j'ai vu, je maigrissais. C'est comme si, c'est comme si quelqu'un qui ne vit, je ne comprends pas. Well, et like j'avais I'm la peur, living. Mais je proclamais le psaume 118, verset 17, sur ma vie. Donc, au moment du deuxième semaine, on priait ici. Week, we c'est ça, here. Et l'homme de Dieu disait, et chassait l'esprit de mort, de God quitter les corps, tout ça. Death, je suis tombé par terre. Et ça a commencé par se manifester, J'ai vu que l'esprit est sorti de I moi. Après, bien avant away. Ça même, quand je sentais les choses, je n'avais pas l'envie de manger. J'étais when comme ça, all it, I'm triste not able to comme eat. Ça. Mais like après this. La prière, quand j'ai vu que l'esprit est sorti de moi, I j'ai eu la spirit is et out quand of je me vis maintenant, j'ai vu que je ne commence pas à revenir. C'est comme si je ne suis pas encore ma forme d'avant. Et je sais que le Seigneur form. Il a commencé quelque chose dans ma vie. Il va l'achever parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Je viens témoigner ce qu'il a fait dans ma vie. Gloire à Jésus, acclamons le Seigneur pour la vie de la sœur Péniel. For the life of the sister Péniel. Alléluia. Amen. Oui. Préparez-vous, préparez vos témoignages. Prepare your testimony. Préparez ce que vous allez dire. Prepare what you want to say. Alléluia. Amen. I greet the Lord. Je bénis le Seigneur parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. Maybe in my life. Ce que je n'ai jamais vu dans what ce monde. I never seen in this world. Avant qu'on ne commence les programmes et avant l'arrivée du prophète Élie. J'étais venu à une assemblée, une réunion ici, et après la prière, quand je suis rentré, quand le prophète a travaillé avec nous et quand je suis rentré chez moi, arrivé à la maison avec mon âge, j'ai commencé à avoir mes menstrues. Et je me disais, mais ceci, ça veut dire quoi? Je bénis le grand Dieu pour ce travail merveilleux qu'il a fait. Et quand nous avons commencé les 7 jours de jeûne, le Seigneur m'a révélé ce qui est caché du côté de mon mari. Il m'a révélé tout ce qui se passe dans l'ombre. Et j'ai compris ce que je n'arrivais pas à comprendre. Et le Seigneur m'a donné la force de la délivrance. J'ai vu dans mon songe que j'étais en train de délivrer des âmes, de libérer et de sauver des âmes. Il y avait des gens dans les cours d'eau. Et le Seigneur m'envoyait les sorties. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je le bénis. Alléluia. Amen.
Vous avez un chant? Voilà. La grâce infinie de Dieu. Alléluia. Yena gwalo nui. La grâce infinie de Dieu, c'est elle qui me couvre. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, mon roi, sa grâce me couvre partout. Peuple de Dieu, levons-nous et soutenons notre sœur. Et sa sœur aussi, c'est elle qui me couvre. Alléluia. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, mon roi, sa grâce me couvre partout. Élu de Dieu, la grâce infinie de Dieu. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, alléluia. Alléluia. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, mon roi, sa grâce me couvre partout. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. C'est ce que la joie du Seigneur fait. It is what the joy of God did. La joie du Seigneur, c'est l'onction du Saint-Esprit dans notre vie. Anointing of the Holy Spirit in our life. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre pour témoigner? Yes. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Let's clap the Lord for her life. Ayons le réflexe quand un frère et une soeur s'avancent, you know that on bénit le Seigneur pour sa vie et pour ce que le Seigneur a fait pour lui pendant qu'il est en train de s'avancer. While he's coming. Gloire à Jésus. Glory. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour votre vie. I bless the Lord for your life. Moi, je suis vraiment rempli de joie. I am full of joy. Et je vous communique ma joie. Nous recevons cette joie. Soyez bénis. Le Seigneur. Rappelez toujours votre nom. C'est important. Je suis la sœur Ruth. I'm Sister Ruth. Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné ce prénom que j'aime beaucoup. God make me grace, give me this name. I like so much. Je dirais merci à Jésus pour ce qu'il a fait d'abord. I'm grateful for God for what he did me during the seminary. Séminaire du mariage. On the marriage. Il a régénéré mon foyer. He regenerated my house. Il a apporté plus de joie. And bring more joy. Plus de paix dans mon foyer. More peace in my house. Je dis merci à Dieu pour cela. I bless him for this. Pour les deux semaines. For the 2 weeks. Dieu a fait. C'est, je dirais, un grand miracle. God make a big miracle. Le vendredi, c'est-à-dire là, le vendredi avant le séminaire. The Friday before the seminary started. Le Seigneur, je dirais moi, mon mari et moi. The Lord has saved me and my husband. J'avais un voyage à effectuer, des achats. I have one trip to make for buying. Et ce matin là. And that morning. Je me suis réveillé un peu. A week late. Mais qu'est-ce qui m'a réveillé? C'était un oiseau qui chantait. What awake me, it was a bird who was singing. D'habitude, je me réveille à 4 heures, je prie, really, je me recouche, tout ça. I've mais ce up jour-là, early, but that day, j'étais un peu fatigué, je n'ai pas pu prier à 4 heures du I matin. I was still so tired, I'm not able to pray on 4 heures. S'il vous plaît, changez-nous le micro. Gloire à Jésus. Amen. Alors, à 5 heures du matin, vers 5h30, vers 6h, at half past five, j'entendais six l'oiseau qui disait, Jésus-Christ est Dieu. Bird who is saying, Jesus Christ is God. Ça m'a dit, mais j'entends bien, parce que je me rappelle qu'il y avait une dame qui avait fait un témoignage comme ça. Je me dis, j'entends mal. L'oiseau répète, oh, il y avait beaucoup d'oiseaux qui s'est un peu déposé. Mais j'entendais, Jésus-Christ est Dieu. But I'm hearing, du coup, Jesus je me suis réveillée, j'ai regardé la fenêtre. J'ai vu un oiseau qui était là, mais qui ne disait pas ça en fait. Mais quel oiseau disait ça, je ne comprenais pas. J'entendais Jésus-Christ est Dieu. Aussitôt la voix m'a dit, lève-toi et prie.
And the voice says, je me suis mise à genoux, j'ai prié le Seigneur. And we can pray the Lord. Suis la voie, nous avons pris la voie. Mon mari devait me déposer à la gare. At the road. Nous sommes montés sur la grande voie. He entered dès qu'il a posé son pied sur l'accélérateur, notre voiture a pris un élan terrible. On a perdu le frein. The car has moving fast. On s'approchait du carrefour. And we lose brake. Je vous dis, c'est le Seigneur qui nous a sauvés ce jour-là. We are close to the signal. C'était vraiment un grand accident. Ça serait un grave accident. It was mais le Seigneur nous a délivrés de cela. God delivered us. Gloire à Jésus. Pour la première fois, j'ai prié sur la voie. Je suis allé vraiment là où je devais aller. J'ai effectué mes achats normalement. And we did ce qui m'a intrigué, c'est que le lendemain, la même chose s'est reproduite. The next day, we have the same things again. J'ai pas compris. I don't understand. Je veux dire le lundi, le premier jour du séminaire ici the là. First day of ça the s'est reproduit. Here, we have the same le mardi, pareil. J'ai dit ça ne va pas. Tuesday, je suis quelqu'un de nature. Quand quelque chose m'arrive, je tiens compte de détails when et je commence pas à préciser ça pour voir and start où est-ce que j'ai fléchi, où c'est un péché que j'avais commis, où c'est quelque chose. Je commence pas à faire les je ne commence pas à méditer sur moi-même. Mais j'ai checké, je n'ai rien vu. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi ce qui se passe pour que je puisse encore plus prier dessus. So we may pray on that. Et pendant les séminaires, bon, j'avais un problème de l'ulcère. Le Seigneur m'a délivré de ça. I have some et disease. En priant, le Seigneur nous a révélé que c'était sa manière de nous montrer que tous les jours que nous devons quitter la maison, nous devons prier. Nous devons chaque fois, c'est-à-dire avant de quitter la maison, mettre la route. Tel que la Bible déclare que notre aller est béni, notre retour est béni. Ce n'est pas une parole en vain, mais de toujours la pratiquer, de prier sérieusement. Parce qu'il y a beaucoup qui sortent, qui ne reviennent pas. Et j'ai dit vraiment, merci Seigneur. C'est pendant les deux semaines qu'il m'a révélé cela, j'ai rendu gloire à Jésus. Et ce pourquoi je suis allé voyager, j'avais un projet il y a longtemps que je devais réaliser. Le Seigneur m'a permis de le réaliser au cours de ces deux semaines. Et je rends gloire à Jésus pour cela. Alléluia, gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. J'ai un cantique à l'honneur de notre Seigneur Jésus. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. J'élève ma voix pour t'adorer et je bénis ton saint nom, Jésus. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. J'élève ma voix pour t'adorer et je bénis ton saint nom, car tu tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a pas de Dieu comme toi, il n'y a pas de Dieu comme toi. Comme toi, Jésus, tu mérites la gloire. Il n'y a pas de Dieu comme toi, car
Dieu de miracles. Bien-aimé, chante avec foi, chante en esprit, parce que le Saint-Esprit va faire de grandes choses dans ta vie. Si tu te connais à ce chant, le Seigneur te fera la même chose qu'il l'a fait à celui qui est en train de témoigner. Si tu crois, il te fera encore de plus grandes choses. Je trace qu'il m'est mort. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu le fruit de tes mains. Yeshua, Mashiach. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu le fruit de tes mains. Yeshua, Mashiach. Toi seul peux tout, mon Jésus. Dieu de miracles, Yeshua. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Glory to le Dieu de miracles te visite. The God of miracles is le Dieu you. De la délivrance te the visite. God of the deliverance le Dieu de you. L'abondance te visite the au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. If you believe, acclame you le Seigneur Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que nous lisons le livre Lord, de Romains. Romains 1, qui est lié au témoignage de notre sœur Ruth. Romains 1, le verset 19, qui dit ceci. Romains 1, le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Oui. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Manifeste pour eux. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. C'est-à-dire, c'est palpable. On peut it toucher cela du doigt. We can touch with et on peut voir cela. And we can see them. Mm-hmm. Dieu l'a ayant fait connaître. Mm-hmm. En effet, oui. Les perfections invisibles de Dieu, oui. Sa puissance éternelle, oui. Et sa divinité, oui. Se voient comme à l'œil, mm-hmm. depuis la création du monde. Oui. Quand on les considère dans ses ouvrages, oui. ils sont donc inexcusables. Alléluia. Amen. La Bible nous dit Bible said, que les perfections invisibles de Dieu invisible et sa puissance éternelle power, se voient comme à l'œil nu. Like parce que Dieu se trouve dans sa création. God is et il se trouve creation. Aussi dans ses créatures. He's also in his creator. Et quand Dieu veut nous parler, when God want talk to us, il nous parle de plusieurs manières, de he's diverses manières. Many ways. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu it's parle tantôt d'une manière, God tantôt d'une autre. Et il utilise la création pour aussi nous parler. Et c'est à nous d'être attentifs et de savoir que c'est le Seigneur qui est en train de nous transmettre un message. Le Seigneur peut utiliser un oiseau pour nous parler. De même, il peut utiliser un événement pour nous parler. De même, il peut utiliser même un arbre pour nous donner un message. Et c'est le côté surnaturel de notre Dieu. Alors, Dieu nous enseigne d'être attentifs. Et de savoir discerner quand est-ce qu'il nous parle et ce que nous devons faire au même instant qu'il nous parle. Alléluia. Amen. Témoignage. Testimony. Pendant que notre sœur avance, acclamons le Seigneur. Clap the Lord. Gardons les bonnes manières. Keep the good way. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. J'étais honorine. Blé. I was honoring. Hier, par la grâce de Dieu, by the glory Jésus of God. A changé mon nom par le baptême. Jesus has changed my et name. Je suis maintenant Ouda. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour la vie let de notre sœur Ouda. Of our sister Ouda. Je viens de Paris. I'm coming from Paris. Je suis originaire
de la Côte d'Ivoire. But I'm Alleluia. Really from Alors, Ivory avant Coast. De commencer mon témoignage, est vraiment long, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Long. Mais le jour où Dieu voudra, je the donnerai mon want, témoignage. I will do it. Mais je vais chanter un cantique dans mon ethnie. Après, ça va terminer en français. I will just sing Hallelujah. In my language Amen. And finish in French. Ina manga yo, matoto wo kabala gosiyo. Hallelujah. Ina manga yo, mapewazi kwamu kabala. Elle est en train de chanter en bété. She's singing in bété. Elle est en train de glorifier le Seigneur en bété. Toutes les langues sont réunies en Jésus. All the languages are unified in Jesus. Iwa la gosiyo. Amen. Hallelujah. Le rite est aussi particulier. C'est le rite des Ivoiriens. J'étais malade, je suis allé chez les médecins. Oh. Ils m'ont dit que si Dieu le veut, ça va aller. Oh. Et j'étais malade, je suis allé. J'ai les fétichés, oh, wow. Ils m'ont dit que si Dieu le veut, ça va aller, oh. Mon frère, j'étais malade, je suis allé chez les marabouts, oh. Ils m'ont dit que si Dieu le veut, ça va aller, oh. Les jours passés, les semaines passées, je n'ai pas été guéri, mais j'ai croisé Alléluia. Jésus-Christ. Nous sommes transportés en Côte d'Ivoire. Oh, j'étais malade, je suis allé chez les marabouts. Ils m'ont dit que si Dieu le veut, ça va aller. Oh. Mais les mois passés, les années passées, je n'ai pas été guéri, mais j'ai croisé Jésus, mon Jésus-Christ m'a délivré. Alléluia. Hey, mon Dieu est plus fort que les marabouts. Mon Dieu est plus fort. Mon frère, le Dieu est plus fort que les autres. Mon Dieu est plus fort. Oui, mon Dieu est plus fort. Plus fort, plus fort. Jésus, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant, puissant, puissant. Jésus est puissant. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons aussi des chants comme ça. Alléluia. Nous n'allons pas seulement louer le Seigneur en français. We not only Parfois, praise Lord in French. On pense que Sometimes on adore Dieu seulement en français. Que c'est seulement le français que Dieu comprend. Oh, Dieu veut que nous l'adorons aussi God dans nos langues maternelles, nos langues d'origine. Alléluia. Soyez bénis. Soyez encore bénis, mes frères et sœurs. Be blessed more, sister C'est un brother. Témoignage qui date vraiment un peu longtemps. Mais testimony ça, so far. Avec comment on appelle le séminaire, But the Dieu seminary, a fait beaucoup de choses. God has made many things. Je veux lui dire merci. And I want to thank him. Parce que j'ai été malade. Because I was 2018. La maladie 2018. A commencé à partir de mars 2017 et je suis rentré jusqu'en 2020 avec cette maladie. And j'ai 2020. Été très très malade. Je maigrissais. I was so j'avais ill. Des douleurs. I had pain. Le début, j'avais des fourmillements dans mon corps, en fait. At the beginning, I had et j'ai demandé à chaque fois, mais je ne sais pas, je ne pouvais pas m'arrêter deux minutes, deux secondes même, je n'arrivais pas. I can't stand Il fallait up que one je minute. M'asseye, parce que quand I je suis arrêté, j'ai des fourmillements comme si je suis dans mania. Donc It's je like me gratte comme ça et je m'assois. Only. C'est quand je suis assise, ça va. Jusqu'à ce que les mois avançaient. Till the moment, les mois avançaient. Mon je partais à l'hôpital, mes I doigts se tordaient, hospital. Tout mon corps se My tordait. Were gone. Dieu,
visage était transformé. My face, si je vous montre mes photos, if vous I n'allez pas croire. Photos, ce n'est pas ma forme. You see, it is not mais le Seigneur, il sait ce qu'il veut. But the Lord et j'ai what été très want. Attaqué. Avec ça, j'étais toujours chez les médecins. Every mais on ne voyait I rien. Went into doctors. On m'avait fait électromyogramme. On te fait secouer they avec le some analysis. J'ai vécu ça. Le monsieur, malgré qu'il voyait mes doigts, mes pieds, je ne pouvais pas marcher. Il disait que, madame, vous n'avez rien. Mon cou, je ne pouvais pas, mon cou s'est raidé comme ça. On m'a fait rentrer dans la magie qu'on appelle IRM. Le monsieur, le docteur, lorsqu'il m'a appelé, j'ai eu peur. Il dit, madame, ne tremblez pas. Mais vous n'avez rien. J'étais surprise. Mais le Seigneur, qui est le Seigneur, quand tu mets ta foi en lui, tout. Mes frères, mes sœurs, je vous ai dit que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai été avalé dans la maladie, j'ai été avalé par serpent. In the disease, pas I was avalé jusqu'au by the snake. Dans mon songe. In my dream. Tous ces combats, all those le battles, Seigneur les a menés. The Lord has et has après, gone. En 2018, je vais à l'hôpital. On 2018, me dit, madame, I went toutes to hospital, les maladies de la terre, c'est moi. They say, on m'a déclaré VIH. On m'a déclaré diabète. À tout diabetes, toutes les maladies. Et j'ai rendu gloire à Dieu. And mais le Seigneur, j'ai toujours mis ma foi en lui. Et pourtant, tout ça là, je partais chez des féticheurs, j'ai envoyé l'argent un peu partout. Mais le fetishes, Seigneur, je n'ai pas payé un euro. Et je Lord, lui rends la I don't gloire. Pay one euro. J'ai dit que je ne peux pas rentrer dans les détails. See, mais ils m'ont fait, je prenais maintenant des médicaments. But now I started et pendant ces semaines de séminaire, moi je l'ai commencé à Paris. Je vais arrêter les médicaments. J'ai arrêté les médicaments. Say, stop medicine. J'ai dit, je ne vais plus prendre des médicaments parce que je I sais say, que mon Dieu est plus fort. Take it more. Mon Dieu, il a ressuscité des morts. My God is more si strong. Je suis encore he vivant. Donc, je ne peux pas limiter la main de mon Dieu. J'arrête les médicaments. Et je rends gloire à Dieu. Et Dieu a permis. Et c'est God quand hello. Je me suis, il y a longtemps, je suivais and I watch le serviteur Jacques Gracien depuis le temps de Coco Doufflé. Je l'ai suivi. Et après, ils sont séparés, ça m'a perturbé, vraiment perturbé. Et j'ai baissé les bras. Mais avec les témoignages que je voyais, ça encore, et je me suis intégré à ce groupe au mois de novembre. Là, je crois que... l'avant-dernier mois, le mois de novembre, vers la fin de la semaine, c'est là que j'ai mis, vers la fin du mois de novembre, je me suis, le serviteur m'a intégré à ce groupe. I entered this group. Mais je me posais toujours la question pour dire but que mais, est-ce qu'un jour moi je peux arriver au Bénin? One time come Benin myself. Et même au Togo, même, j'étais sur le point même d'abandonner mon travail, aller là-bas. I want leave mais le Seigneur a mis des blocages. But Lord c'est pour cela que je ne suis pas allé. Donc don't ici went. Même. Je me disais que est-ce qu'un jour moi je peux venir ici? I say, can I come one day here? Et le Seigneur a tout débloqué, il a tout mis the Lord en place. Has everything has have dislocated everything. Parce que mon fils, ma fille, son fils devait venir sur Paris. My ça, daughter, donc si l'enfant part, je ne peux pas venir parce qu'il est encore petit. Il a 6 ans. He's a baby. Si l'enfant part, je vais le laisser à qui? Donc je peux pas venir du coup. Donc j'ai dit, j'ai confié à Dieu. Et si c'est ta volonté God, là, if your will, l'enfant vienne. C'est pas aussi ta volonté, fais ce que tu veux, mais moi je dois. Et Dieu merci, go. Je suis allé faire tous les renseignements, tout ce qu'il faut pour que l'enfant vienne. On dit l'enfant peut pas venir. This child with me. Le Seigneur a permis que j'arrive ici. Donc vraiment, je suis here. Heureuse, je suis contente I'm happy de voir d'être parmi les serviteurs. You, donc c'était pour God. Dire gloire à Dieu de ce qu'il a permis he que je sois parmi les serviteurs. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Que le Seigneur vous fortifie. Be témoignage. Testimony. Gloire à Jésus. Glory to Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Salomé. My name is Sister Salomé. Élevez un peu votre voix, s'il vous plaît. Moi, c'est la sœur Salomé. Et je viens devant pour rendre gloire à Jésus-Christ. I want to give glory to Jesus Christ. Beaucoup de choses qu'il a fait dans ma vie. For many things he did in my life. Déjà, avant que je ne connaisse le réveil, before I know the revival, il menait des combats. He fight for me. Et
il s'est révélé à moi. He revealed himself to par me. Par un témoignage. By one testimony. Que j'ai suivi. That I follow. Et qui m'a beaucoup édifié à quitter le catholicisme. Edify me to leave Catholics. Le Seigneur a permis aussi que mon mari he comprenne also that my husband understand, et que ensemble nous cherchons together, la vérité. We search for the truth. Déjà avant de quitter, j'ai vu beaucoup de choses qu'il m'a révélées dans les songes. Before leaving, I saw many things in dreams. Et après, quand nous avons rejoint le réveil aussi avec la famille, after we come to the revival with tout the ce qu'il y avait à gérer, and all we have to manage, le Seigneur nous a aidés et il continue the Lord de mener has helped le combat us pour and nous. Continue to lead this battle for et aussi, us. Mon accouchement. And also my giving birth. Nous étions devant et mon mari a expliqué un peu comment les we choses se sont passées. My husband has explained everything. Je viens pour rendre gloire à Jésus. Now I'm coming to give glory to Jesus because au cours des deux semaines de during séminaire, the 2 weeks of seminaries, il a encore fait beaucoup de choses dans notre make many things in our life. Déjà, les enseignements m'ont beaucoup édifié. Firstly, the teaching has edified et me. Et même les points de prière. Tout ce qui se disait me convainc davantage que je ne suis pas perdu. Convince me that I'm not lost. Que je suis dans la vérité. That I'm in true truth. Et je rends grâce à and Dieu I give glory cela. To the Lord. Alléluia. Le samedi, l'avant-dernier jour du séminaire et que on nous avons last fait Saturday dernièrement of the seminary, après les 4 jours du after mari, the fourth le mariage of marriage. J'ai pris la moto pour la première fois. I took the bike for first après time. Après mon accouchement. After giving birth. Je suis allée au marché. I went to market. À mon retour. I took to come back. Il y a un tricycle qui a failli me cogner. I received one motorbike. Et j'évitais le tricycle et je suis allée tomber. Je suis allée tomber. And je I rends fall grâce down. À Dieu. Je ne suis pas blessée. I give glory to God. I'm not après wounded. Ça, quelques jours après, after mon mari, that, my husband, il a pris la moto, il est sorti, took the il est tombé aussi, back. He too fall. Et il est blessé. And he was wounded. Il est rentré, il m'a dit, ah, je suis he allé quelque say, part, I went il y a une moto, un taximan qui quittait one une fond, qui est venu me surprendre et m'a cogné. Dieu me. Merci, je suis tombé, mais je n'ai pas eu quand chose c'était juste many, une petite blessure things, just que le Seigneur one, a déjà guéri. That the Lord has healed. Maintenant, ce qui m'a étonné, c'est que ça n'était jamais me, arrivé auparavant. It was not happened c'est before. Pour ça que je rends grâce à it's Dieu why parce I que give glory je to God vois que le Seigneur est en because train I think de, that de the mener Lord un combat pour nous. Is fighting for us. Hier, yesterday, nous sommes sortis ensemble en we famille. Went back to the, in family. Et il y a encore un taximan qui nous again. A cogné. Dieu merci, on n'est pas tombé. Mais lui, il est tombé. Il nous a cogné et c'est notre aîné. Il a cogné son pied. Il n'est pas blessé, it mais il a eu mal. Il a eu mal old, à marcher. All children who is donc, not able to walk correctly. Dieu merci, on n'est pas tombé. By si God on était grace, tombé, je ne peux même pas imaginer ce qui allait I arriver. Imagine if mais lui, il est tombé, le taximan, il est tombé. Et il a commencé par se plaindre. Alors que c'est lui qui ne voyait pas, il ne regardait pas bien la voie. Donc je suis venu ce matin pour rendre grâce à Dieu. Surtout parce que je suis plus davantage convaincu du réveil. I'm more convinced et je vois of the que revival, je suis dans la vérité. And c'est I think une that grâce in the truth, it is parce a grace. Que on aurait pu quitter. Because we can't leave. Alléluia. Gloire à Jésus. Glory on aurait pu quitter le catholicisme et se retrouver encore dans we quelque chose Catholic d'autre and qu'on ne peut pas expliquer. Et je vois la main de Dieu dans notre and vie so et je bénis le God Seigneur life pour cela. Amen. Que le Seigneur that. Vous bénisse. Amen. Shalom, shalom. Témoignage. Testimony. N'oubliez pas votre nom. Don't forget your name. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et shalom. Il faut dire de moi, façon précise ce que Dieu vous a fait. Precisely what God did to you. Je remercie le Seigneur. Je vais d'abord commencer par là parce qu'il m'a donné un nom, un vrai nom, Isaac. He gave me a real name, Isaac. Isaiah. Je vais être très bref.
avant, quand je me couchais la nuit, when I sleep on night, si c'est pas esprit de mort qui te chasse, if it's not spirit of death which follows me, it is lion. Ou bien tu es là, tu es couché sur le lit comme ça, you are sleeping, mais dans le sommeil, tu es comme ça, un panthère noir qui est à côté de toi en train de te regarder. You have one panther who is close to you, checking of you. Mais pendant ces deux semaines de prière, between those 2 weeks of praying, quand je me couche comme ça, when I sleep, ça fait au matin. It's come. Alléluia! À moins que je me lève pour aller pisser. If only to go to peace. Je remercie le Seigneur parce que pendant cette semaine de prière, j'ai demandé à Dieu seminary moment, de me donner le don de la foi. Quand je prie, je sens que quelque chose se passe. When I pray, I feel something happen. Pas de mes yeux, mais je sens que quelque chose se déplace de ma vie. But I think someone is moving on my life. Ce zèle là qui me prend, je remercie le Seigneur de me l'avoir donné parce que j'en avais vraiment besoin. La lourdeur me traumatisait même, je vais dire. Je remercie le Seigneur pour ma vie. I thank God for my life. Et je bénis tout le peuple de Dieu ici présent. And I bless all the people of God here. La famille que Dieu m'a donnée, je vous remercie. The family God gave me, I thank you. Et je vais finir par ceci. I want to finish by this. Les gens parlaient d'accident, accident, c'est venu à mon esprit. Je veux aussi témoigner de ça. When they are talking about accident, it comes to my life, spirit. J'ai remorqué mon grand-père pour aller à l'école solder pour composer. I was with my grandfather. Quand je prends la moto, when I took the motorbike, pendant tout le parcours, ma mère, ça lâche, c'est une moto sans embrayage et un peu de choses. Quand tu fais erreur, ça lâche. It is not working. Arrivé à un tournant, when we come to a moment, j'allais me retourner quand le camion est passé. Fou. I want to go back and the truck has come fast. Ce que je faisais depuis là. Pourquoi à ce moment-là, ce n'est pas arrivé? What je vous dis, si une seconde j'avais lâché là, if it is not happened, ça nous aurait écrasé. Et on ne saura même pas si on peut ramasser la moto là ou bien si on peut ramasser nos têtes. Comme ça, je remercie le Seigneur aussi. For that, I greet the Lord. Alléluia, gloire à Jésus. Le Seigneur a fait de grandes choses. The Lord has made. Il a délivré plusieurs. He delivered many des accidents. From accidents. C'est pourquoi il nous a dit que nous ne craindrons rien, ni la peste qui ravage dans la nuit. We not fear nothing, nor the pest is walking on ice. Voilà, acclamons le Seigneur pour la Clap vie the Lord for the life du bien-aimé. Of the beloved. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis tout le peuple de Dieu. I bless all the people of God. Ici présent. Here. C'est une assemblée encadrée. It is an encadred assembly. C'est une assemblée encadrée. Nous ne sommes pas en isolé. Ça, on parle comme ça, livré. We are not like this. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ nous encadre. The Lord has taken care of us. C'est à travers ce que j'ai eu au cours des deux semaines du séminaire. What I have on the 2 weeks of the revival. Qui me fait parler comme ça. Who make me talk like this. Il y a l'amour ici. It's have love here. Amen. Il y a l'amour ici. It has love here. Je n'avais rien. I have nothing. C'est une simple fièvre. Si je ne le disais only pas, c'est grave. Small fever. Si je ne le disais pas, il serait chicoté de nouveau par le Seigneur Jésus. If I don't tell it, I will be beaten by the Lord Jesus. Je n'avais rien. I don't have nothing. Une simple fièvre. Only small fever. Quand le prophète Élie, when the prophet Elijah passait son message, he's giving his word. Subitement, suddenly, le truc m'est arrivé. Something happened to me. Je ne savais pas de quoi il savait. I don't know. De quoi il s'agissait plutôt. What is happening? Alors, c'était la tension qui était élevée. It was my je n'avais pas de problème avec quelqu'un. I don't have problem je with n'avais someone. Rien. I don't have nothing. Je ne pouvais plus parler. I'm not able to talk. Ça saisit ma langue. It is my tongue. Ça saisit mes pieds inférieurs, mes membres all supérieurs. My members. Alors, je ne sais plus là où j'étais. I don't know where I am. Je bénis la vie. I bless the je life. Bénis le Seigneur pour la vie Lord. Des serviteurs de Dieu. For the men of God. Du groupe Jésus revient. Of group Jésus revient. Parce que because j'avais la foi. I mais je me disais but I said, quand même, on ne peut quand même pas être
pour un séminaire we should not be on seminary moment grande importance of this big importance et un truc comme ça and something like this will come to me mais je dis je vais voir but I say I will see je me disais ça dans ma tête I was thinking about that puisque j'étais pas complètement parti because I'm not totally going Ah, le Seigneur a fait son miracle. The Lord has made his miracle. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a fait son miracle. Gloire à Jésus. Has made his miracle. Mon épouse me disait. My spouse telling me. Qu'est-ce qu'on va faire? Me chuchoter ça à l'oreille. J'entends. What we should do? J'entends à peine. C'est après I qu'elle hear m'a. A little. C'est après qu'elle m'a dit qu'elle voulait. Bon. It's after that she told me. Mais. But. Elle avait la foi. She had faith. Elle tenait. She stand. Elle avait peur un peu, mais elle avait afraid. La foi. Elle avait But la foi. Had faith. Parce que ce qui se passait, moi, what is happened, les enfants eux-mêmes savaient que bon, voilà, papa s'en va. The son I know that father is mais going. Dans mon fort intérieur, But in my deeply, je dis, on ne peut pas être dans le groupe Jésus revient you see, you not be in the group. Ici Jésus revient here. Et je vais succomber jamais jamais Never. Ce sont les paroles de foi et Those ça n'arrivera pas au nom de Jésus If you not came in the j'ai name dit of Jesus. Ça ne va jamais se passer I say never happen. Je voyais I see. À peine les serviteurs de Dieu tout le monde courait Servant of à God. Gauche à droite je voyais mais Everybody c'était, was pas, running. C'était pas là J'ai gardé, excusez-moi, j'avais envie dans nos besoins, mais j'avais du mal. I need je pouvais to pas make marcher. Me ease. I'm not able to do it. Je pouvais pas marcher. I can't walk. Il y avait beaucoup la tête. C'était. Je, faut que je, il faut que je décris un peu ce qui s'est passé. I should describe what happened. C'est que la tête là, c'était All une my plaie. Heart. Une plaie. Was like a wound. Une plaie, c'est-à-dire on ne pouvait pas toucher ça à cela, je ne pouvais pas mettre ça par terre. Or can't push it easy. Tension. J'étais la tension. It was tension. Ma langue était fouchue, je ne pouvais pas parler. My tongue was Mais scared. I can't talk. J'étais quand ils m'ont fait la prière, on m'a les hommes de Dieu. When the man of God make a prayer for me. J'étais chez moi, m'a fait la prière. They pray for me. Je sentais que la force me venait. I feel that the strength is coming back to me. Quand ça vient, when it's coming, ça repart. It's coming going again. Mais, but ça venait. It's coming again. Et ils ont fait de grandes prières. They make big prayers. Et ils m'ont laissé au soin du Seigneur Jésus-Christ. And leave me in the hand of Lord Jesus Christ. J'étais là. I was there. J'étais dans quelle vie j'étais. I don't know where I'm at. À 2 heures du matin. At 2 hours of morning. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Clap the Lord Jesus Christ. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Jesus Christ is God. À 2 heures du matin, puisque je savais que bon, moi-même là. Me too, I know that. Tout ce que le Seigneur faisait. What the Lord did. En ce temps. On that moment. Acceptons. I will accept. Mais j'avais la foi quand même. I have faith. Que nous sommes dans un séminaire. That de we are into a seminary of deliverance. De tout. Of everything. À 2 heures du matin. 2 o'clock of morning. J'ai reçu la visite du Seigneur Jésus-Christ. I received the visit of the Lord Jesus Christ. Gloire à Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Today and for everlasting. Puisque j'étais dans un sommeil prolongé, je n'étais pas ici. I was not with et here. À I was 2 sleeping. Heures du matin, une grande force est venue. A bring force moi. Is coming et on je me. Je me suis levé. And I wake up. Sur mes deux pieds. D'un bond. Bon. Alléluia. On my legs. C'est la puissance de la guérison. It's the power of healing. Je m'étais levé sur mes deux pieds. I stand up on my legs and ask him. J'ai vu mon fils. I saw my son. David. David. Il est là. Je l'ai vu à mes côtés. I saw him on my je side. Je voyais maman qui est debout en train de prier. Who was praying? Je dis mais David, qu'est-ce qu'on fait ici? I said David, what we are doing here? Qu'est-ce qu'il y a? What happened? Il dit papa, calme-toi, calme-toi. Father, keep quiet. Parce que j'étais dans
dans un moustiquaire. I was in two and mosquito thing. Je lui ai demandé, j'ai faim. I say I'm hungry. Alléluia. C'est le signe de la vie. It's a sign of life. Je dis, j'ai faim. Il me dit. He tell me. Papa, il y a du manger. Est-ce que tu peux Papa manger? Tu peux manger food. Du, can you eat? Du abolo. Can you eat abolo? On a payé. Maman a prévu du abolo. Mother have prepared for you. Alors que maman me disait que elle avait tenté de me mettre abolo là dans la bouche. She tried to ça give me. Ça ne passait pas parce que la langue là était fouchue. Because it's not going because the tongue was this. Quand la force était venue. When j'ai mangé 5 abolo. Alléluia! Tu vas manger plus que ça au nom de Jésus. More in the name of Jesus. J'ai mangé 5 abolo avec du piment. With pepper. Du poisson. Fish. Alléluia, c'est merveilleux. Et je disais. And I said, alors, so, j'ai sauté. Parce que je savais que la paralysie était là. I think the paralysis mais j'ai la was conviction there. Quand même. But mais I have conviction. J'ai chuté mon pied comme ça. I checked my very legs. My hand. Je suis parti de moi-même. I went here from myself. Au besoin. Alléluia. I call it. Alléluia. Tout se passait dans cette nuit, il sonnait 2 heures. Everything was happening that night. Un instant après, at the moment after that, c'est pour ça que je disais qu'il y a la main du Seigneur Jésus-Christ est là. The hand of God is here. Le groupe, il y avait une organisation. Il y a they le have groupe. An organization. C'est ce jour-là que je sais que les gens très tôt le matin prient. I know that people soon of morning praying. Allez, il y a l'esprit qui a commencé par réveiller les gens. L'esprit a commencé par réveiller les gens. Ça parlait en langue, bon, je sais. Talking on tongue. Je sais qui. Mais ça parlait en langue fort, ça avec brutalité. Tous ceux qui dormaient, les malades, those nous qui étions malades, tout le monde. All the sick man, les gens ont commencé par prier là. Everybody has started praying. Les gens ont commencé par prier avec ferveur. With fervor. Là, je pense que c'est vers environ de 2h30, 3h moins, de façon. Là, j'ai pris ma chaise, je suis resté à l'école là. Le Seigneur m'a encore galvanisé. J'ai commencé par prier moi-même. J'ai commencé par prier avec eux. Je priais, j'étais là, ma chaise était là. I was there with my chair. Et c'est comme ça, le Seigneur a it's fait like ce this. Jour-là. The Lord has mais been j'ai dit, and I said, le lendemain, the next day, très tôt, à 5 heures, at 5 o'clock, je vais voir parce que n'importe comment, notre Seigneur ne nous a pas dit de ne pas contrôler. The Lord de ne pas said voir to not ce control. Qui se passe. Il the n'a Lord jamais see dit what ça. Happened. Puisqu'il a déjà fait tout le reste, c'est le because grand God, God c'est lui le grand docteur. He's the big doctor. Le docteur des docteurs, c'est lui. The doctor, il a déjà doctor. Tout fait. Alléluia. Il a tout fait, m'a guéri. He healed me. Bon, je vais faire un petit contrôle d'usage. On ne sait jamais. C'est control. Là, j'ai vu que la tension était que c'était so là, que c'était la tension. Et automatiquement, automatically. Bon. Ce qu'on m'a prescrit, ce que j'avais l'habitude de prendre. What they give me, what I ate, I took. Amlopress, c'est là. Bon, j'ai pris un comprimé. C'est ici là même que la tension là s'est rabaissée. Et c'est venu. It is here. Après le contrôle, recontrôlé, c'est venu à 12. It's coming on the dans normal. Dans la même salle là. Alléluia. C'est venu en même temps à 12. Coming it's donc, at 12. Donc, j'ai dit, je n'irai pas à l'hôpital. I'm not je ne vais nulle part. I'm not je ne somewhere. Viens pas pour me contrôler au Sénat. Je suis quoi que ce soit. Je suis guéri. CNG. C'est au cours du séminaire
que la crise est venue, c'est au cours de ce même séminaire que le Seigneur Jésus-Christ est venu me guérir. Alléluia. Il va guérir tous ceux qui sont dans ce cas. Alléluia. Il va faire plus que ça. Amen. Il va nous étonner davantage. Amen. Je lui rends grâce. I give grace. Je bénis le Seigneur dans la vie des serviteurs. I bless Dieu the Lord for the man of God. Qui n'ont ménagé aucun effort. Who make all possible. Pour se saisir de moi. Que le Seigneur vous rende sans sanctuité. Amen. May God Amen. Give you for Soyez one bénis. Gloire à Jésus. Nous avons plusieurs leçons à tirer dans le témoignage de notre papa. Nous pouvons comprendre que we should understand that. Quand Jésus se trouve dans la barque, when Jesus into, il suscite back, lui-même la tempête himself, et il calme lui-même la tempête pour se glorifier. Le Seigneur lui-même a permis que la situation arrive pendant le réveil. Et il l'a fait pour se glorifier. Ceux qui manquent de foi vont dire, mais si Dieu est avec eux, pourquoi pendant l'enseignement, pourquoi pendant ce moment de réveil, il est atteint de ce mal? Si Dieu était avec eux, cela n'allait pas arriver. Mais la conclusion, c'est que Dieu prévoit un temps de souffrance et aussi un temps de guérison et un temps de restauration. Et c'est en ce moment qu'on sait réellement que, en réalité, Dieu est avec eux. Parce que lorsqu'il n'y a pas les problèmes, les difficultés, on ne peut pas aussi avoir de solution. S'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guérison. Gloire à Jésus. Nous allons chanter deux chants pour bénir le Seigneur avant le témoignage qui va suivre. Le chant qui dit que c'est merveilleux d'appartenir à Jésus. It is merveilleux to belong to Jesus. Que c'est merveilleux, que c'est merveilleux d'abandonner ce monde et de suivre Jésus, devenir ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, vraiment merveilleux, que c'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner ce monde et de suivre Jésus, devenir ami du Seigneur Jésus, que c'est merveilleux, vraiment merveilleux, que c'est merveilleux. Jésus, devenir ami du Seigneur Jésus, que c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Alléluia. Nous allons aussi chanter ce chant qui dit « Prière est la clé de Dieu ». Parce que tout s'est opéré par la prière. Si la prière n'était pas intervenue, on allait apprendre autre chose. Parce que ce qui était arrivé ce jour, c'était vraiment terrible. Nous, on était là, on a vécu ce qui était arrivé. Mais c'est d'abord par la foi et soutenu par la prière que le Seigneur a intervenu et il a agi dans la vie de notre papa. Chantons et bénissons le Seigneur. Prière est la clé de Dieu. Prière est la clé. Prière est la clé de Dieu. Jésus commence par prière et termine par prière. Prière est la clé de Dieu. Chantez avec vie, chantez avec vie. Chantez avec vie. Le Seigneur, par cette clé, est en train d'ouvrir les portes qui sont fermées dans ta vie. La prière est la clé de Dieu. Prière et termine par prière. Prière est la clé de Dieu. Prière la clé de Dieu. Jésus commence par prière et termine par prière. Prière la clé de Dieu. Prière la clé. Prière la clé de Dieu. Jésus commence par prière et termine par prière. Prière est la clé de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Amen. Témoignage. Vous pouvez passer. Clamons le Seigneur pour la vie de nos sœurs. The Lord for the life of our sister. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. And beautiful name of our Lord Jesus. Je bénis le Seigneur pour la vie de ses serviteurs et aussi pour la vie du prophète Élie que le Seigneur envoyait pour nous enseigner. Comment vous appelle? C'est la sœur Esther. I'm the sister. N'oubliez pas, c'est très important. Don't forget, it's important. Je bénis vraiment le Seigneur pour les enseignements que nous avons reçus pendant le séminaire. Parce que la parole de Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est plus que de l'or, plus que de l'argent. Et tout ce que nous avons reçu pendant le séminaire, moi je bénis vraiment le Seigneur. Il y a des choses que je ne connaissais pas pendant le séminaire. J'ai reçu. Avant, quand j'étais de l'autre côté, je savais que j'avais le don de guérison. I know that I have quand the je suis venu ici, le Seigneur l'a confirmé. When I come here, the Lord has confirmed et au travers that. Le séminaire, le Seigneur m'a encore révélé. Parce qu'avant moi, je me disais que je n'avais qu'un seul don. Quand on me demande, je me dis, je n'ai que le don de guérison. Mais par ces enseignements, j'ai compris que ce n'était pas seulement le don de guérison, mais j'avais reçu encore the gift of healing, un autre don, le don de parole gift, de sagesse. Mais je ne savais pas que c'était un don. I don't know that parce que le wisdom. Seigneur avait l'habitude de me révéler les choses à venir. God have habit les choses reveal à venir sur ma vie, come, on my sur life, la vie de quelqu'un, in the life aussi of someone, les événements à venir. And à chaque fois, le Seigneur come. Me révèle. Non, moi je ne savais pas que c'était un don. I don't know c'est that au travers des enseignements du it séminaire is by through the que teaching j'ai compris that I understand que that c'était un gift. Don que le Seigneur m'avait donné. The gift donc that je Lord bénis gave vraiment me. Le Seigneur I bless pour the cette Lord for both gifts. Alléluia, gloire à Jésus. Glory to Jesus. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Je vais chanter ce cantique. Comme le sing. Pasteur a dit de chanter dans notre langue maternelle, c'est je vais sing chanter un cantique en fond. In qui fond. Dit Enombolo nunde lo gigogonombolo nunde mi mamo Enombolo nunde lo Jesu tenombolo nunde mi mamo Nue manti uzu nue tinto gigogonombolo nunde mi mamo Nukuku sazun beleto Eto de do we vi home to e gigogono bolo nude mi mamo Ali de kongu meto Udu no sian fa uza wang pato e gigogono bolo nude mi mamo Kanu mono uzu mezo meto Kanu mono uza fosi Dahoe, Gigogono, Bolo, Nude, mi mamo. Mewe, ye, ye, lo. Mewe, ye, ye, bablo, mi lo. Alleluia. Amen. Gigogono bolo nude mi mamo
vraiment merveilleux. Parce que Dieu fait de grandes choses. Ce sont des paroles puissantes, des paroles de remerciement, des paroles de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, pour ce qu'il opère dans notre vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. S'il vous plaît, notre soeur, s'il vous plaît. Sister. Vous allez nous dire ce que signifie ce chant. Let vous allez donner la signification du chant au peuple de Dieu. La chanson dit, la chanson rend grâce à Dieu et dit les merveilles de Dieu. Il dit, le Seigneur fait au-delà. Il fait au-delà de l'entendement humain. Amen. C'est lui qui a délivré Jonas du ventre du poisson. Il fait grand, il fait ce qui dépasse l'entendement. Des choses inimaginables. Voilà. Alléluia. Il a fait ce qu'il a fait pour Abraham. Il continue de le faire jusqu'à aujourd'hui. Il le fera encore pour chacun. Amen. Soyez bénis. Be blessed. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, soyez béni. Be blessed. Alléluia. Je suis content et je veux donner gloire à Dieu. Vous savez, quand Dieu vous a donné une famille, vous veillez à cette famille. When God gave you a family, you take care of the family. Et surtout, la parole de Dieu a dit, and the word of God said, veillez les uns les autres, sur les uns les autres. Of the others. Il y a quelque chose qui s'est passé. Something s'il vous plaît, n'oubliez pas votre nom avant don't de continuer. Forget your name before continue. Amen. Amen. C'est votre humble serviteur, évangéliste Timothée. It is evangelist Timothy. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Something happened. Au cours du séminaire. During the seminary. C'est au cours du séminaire que j'ai constaté. During that, je ne vais pas aller en détail. I'm not going into detail. Mais j'étais choqué. But I was shocked. Et je suis parti vers le Seigneur. Je lui ai parlé comme je ne lui ai jamais parlé. Lord, j'ai dit, Seigneur, pourquoi why? J'attendais du secours. I'm waiting for et tu as fait venir ton serviteur, prophète Élie. Et devant lui, ça là doit se passer. And in front of you, this will happen. J'ai parlé profondément à Dieu. I talk j'ai for parlé God. À Dieu comme je I lui ai jamais God, parlé. Like I never talk to him. J'ai entendu la voix de Dieu. And I hear the voice of God. Dieu m'a dit. He said, c'est à cause de tout ça là que j'ai envoyé mon serviteur comme it's Dieu l'a of dit. Things, I send my s'il n'était like pas arrivé, ce sont des choses qui vont rester tapissées là. Will stay there. Et quand ça va commencer à agir, tu ne pourras working, plus supporter. Will not support. Et l'église ne pourra plus supporter. La famille ne pourra plus the supporter. Support. C'est justement à cause de ça que j'ai envoyé mon serviteur. C'est à cause de toutes ces choses que j'ai envoyé mon serviteur. Tu m'avais toujours demander you ask me, partout où la chair est semée dans l'église, tu m'as toujours demandé de sortir ça, d'enlever ça, non? C'est ça que je suis en train de faire. C'est à cause de ça que j'ai envoyé mon serviteur. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai eu le cœur calmé. Et je rends gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Et je lui confie davantage l'église. Je lui demande ce que j'ai vu sur les écrans. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est comme ça que l'église est, ça veut dire que tu es là. Et tu es en train de faire quelque chose là. Et je pensais que c'était en Côte d'Ivoire. Alors que c'est derrière ma maison. Et toi-même, tu m'as conduit ici. Seigneur, que cette chose ne quitte pas. Que ça ne passe pas en souvenir. Que ça ne passe pas au passé.
Not mais que ça soit toujours présent. Cette chose soit toujours présente. L'Éternel veille sur son Église. Amen. C'est ça que je voulais partager avec vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Continuons à prier, à soutenir l'Église. Let's continue praying and sustain the church. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Shalom. Shalom. Je m'appelle la sœur Anne. I'm Sister Anna. I will talk in phone. Je dois appeler ceux avec qui j'étais dans la voiture ce jour pour qu'on puisse remercier le Seigneur ensemble. Ce que Jésus a fait pour moi est si grand. C'est si grand. Dans le séminaire aussi, pendant le séminaire, quand on parlait à propos du mariage, et on parlait à propos des femmes, j'ai regardé, j'ai dit, on est si cher. Nous, les femmes, on est si cher. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Excusez-nous, on va interpréter ce que vous avez dit. La maman était en train de dire que pendant le séminaire, le Seigneur lui a fait quelque chose de grand. Au début, elle a parlé, elle a dit, c'est comme si le Seigneur l'a délivrée d'un accident. Quelque chose du genre où elle était avec quelques personnes dans le véhicule. Mais elle n'a pas encore décrit la situation. Maintenant, elle bénit le Seigneur parce qu'elle réalise pendant les sept jours de réveil spirituel que les femmes ont aux yeux du Seigneur une grande importance et que les femmes sont chères pour le Seigneur. Et c'était avec grand étonnement et aussi avec joie qu'elle a réalisé cela. Jésus revient, mais on me couvre. Alléluia. Bon, à quoi il faudrait mal zéro tant mieux. Mina mon bilo ouin tout mitonlé. Amen. Amen. Alléluia. Elle dit, elle prie pour les sœurs, les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, de se patienter et de garder l'espérance sur le Seigneur et que le Seigneur leur trouvera leur mari et qu'elles se marieront et qu'elles seront honorées par leur mari selon que le Seigneur l'a dit dans leur foyer. Le dimanche passé, après qu'on a fini le séminaire, after we finish the seminary, le jour de la fin du séminaire, quand on est sorti, je pensais à ce qu'on va manger à la maison. Parce que pendant 7 jours, on a pris que on a pris des fruits seulement. We only use and eat fruits. Donc, plusieurs, déjà, quelques frères et sœurs disaient, quand nous allons rentrer, nous allons manger, nous allons... Voilà. Donc quand nous sommes sortis, moi je me suis retrouvé à Agla Pilon. Je cherchais une poissonnerie pour acheter du poisson.
À notre retour vers notre maison, aux environs de 18h30, quand on partait, moi j'étais aux côtés du rail. Et il y a aussi une autre voiture devant moi, au côté opposé. Pendant qu'on partait, brusquement, je vois que le pneu de celui qui était de la voiture qui était devant nous, le pneu du derrière, du côté du chauffeur, a pris feu. Has je disais, mais ceci veut dire quoi? Et le temps que j'ouvre mes yeux, en même temps, je vois que le pneu est déjà sorti, sorti de la jante. Et le pneu sautait et tipait comme ça. The tire, he was jumping. Le pneu sautait et bondissait et tournait en rond. And turning around. Donc quand moi j'ai vu la scène, when I saw, j'ai pris un recul, j'ai freiné. I make a break. Et j'ai garé ma voiture. Ça n'aura pas lieu. Et comme j'ai commencé à ordonner à prier. Quand le pneu était en feu et tournait, le pneu prenait notre direction et revenait vers nous. Donc, je commençais à ordonner que cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Attends-toi là. Et j'ai ordonné, j'ai parlé au pneu d'attendre. Attends-toi là. When I said the tire turned around, et quand j'ai commencé à parler ainsi, le pneu qui venait contre moi est parti de l'autre côté et est entré sur les rails. Et quand le poulet est entré dans les rails, j'ordonnais encore, tu t'arrêtes là. Tu ne trouveras personne pour prendre. Cet esprit ne tuera personne. Ça sautait comme ça, et ça tombait, et ça tournait. Et c'est tombé sur l'autre voie. Et quand c'est tombé sur l'autre voie, il y avait des véhicules et des motos qui venaient. Donc nous qui étions dans le véhicule, on était 8. Et on commençait à ordonner, tu ne trouveras personne. Personne ne tombera. Personne ne mourra. Ça n'aura pas lieu. Donc quand on priait ainsi, le pneu a fait un bond et est tombé de l'autre côté. Et quand le pneu est tombé, le pneu a encore fait un autre tour, un autre demi-tour et revenait encore. Et a sursauté encore les rails. Et le pneu revenait encore contre nous. C'est quand j'ai su que le pneu revenait contre nous que j'ai démarré la voiture. Et le pneu a frappé les feux arrière qui sont derrière ma voiture. Et moi j'ai poursuivi ma route et il y avait un taxi moto qui venait. Il était sombre aux environs de 18h, donc il avait pris une femme sur sa moto. Donc, le taxi moto, le taxi mam ne voyait rien.
Et le même pneu qui rôdait est allé frapper la dame qui est derrière. Et la femme est tombée et le visage a frappé le goudou. Comme on a prié que rien ne lui arrivait. Et que ce plan de mort ne trouvera personne à tuer. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre maman. For the life of our mother. Ndoma utedie. Ma utedie. Nye mama ma we lock mo gidi. Ma utedie. Mama ma we lock mo gidi. Peuple de Dieu, vous allez comprendre, vous allez remarquer, si vous suivez bien les témoignages, le Seigneur, pendant le séminaire, a délivré plusieurs des accidents. Le Seigneur a fait de très grandes choses. Et voici ce qu'on a entendu dans le séminaire et qui a commencé à travailler. C'est pourquoi les enseignements que nous recevons ont pour but de réveiller en nous ce qui dormait. Dans Psaume 82, le verset 6, il dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. » Elle disait, elle ordonnait. Elle parlait en tant que qui? En tant que fille du Très-Haut. En tant que Dieu. En tant que petit Dieu sur terre. Et elle parlait à quoi? Pas à un homme, pas à un être vivant, mais elle parlait à un pneu. Acclamons le Seigneur Jésus. On entend souvent l'histoire de Jésus qui a menacé le vent, qui a menacé la mer. Et on croit à cela.
Mais le Seigneur nous donne aussi l'autorité aujourd'hui de menacer tout ce qui est sur la terre. Parce que la terre, le ciel, les choses, les objets entendent la voix de Dieu. Et parce que nous sommes les fils du Très-Haut et que nous sommes des dieux et que nous avons reçu tout pouvoir sur la terre par notre Père, nous pouvons aussi ordonner à ces choses-là. Et parce qu'ils n'entendent pas nous, notre voix, mais ils entendent la voix de notre Père au travers nous. À travers nous, ils obéissent et ils se soumettent à nous. Acclamons le Seigneur Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je bénis le Seigneur Jésus pour notre vie. Au cours de ces séminaires, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Vous avez oublié votre nom. C'est la sœur Sephora. I'm sister Sephora. Soyez bénie. Amen. Il y a le psaume 47 que le Seigneur m'a permis de, I have Psalm 47. De faire ça en chant. That God wants me to do together. Peuple de Dieu, battez tous les mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Peuple de Dieu, battez tous les mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Peuple de Dieu, battez tous les mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Tous les mains, battez tous les mains, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, battez tous les mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Poussez des cris de joie. Alléluia. Te bénisse. Amen. J'ai également une chanson. Le vendredi du dernier séminaire, je voulais prier et louer le Seigneur. Je voulais chanter la même chanson, la chanson mais une voix m'a dit, tu peux changer de chanson, non? Et là, une chanson m'est venue. Et puis, j'ai enregistré ça dans ma tête et je chante ça au Seigneur. Donc, j'aimerais partager avec vous. I want to share with you. C'est en minan et en français. It is in minan and French. Kafouye djenelo, soussouye djenelo, nyapetoye sou Christoa, kafouye djenelo, kafouye djenelo.
La louange lui est due. L'honneur lui est dû. La louange, l'honneur à notre roi Jésus, à notre Seigneur Jésus, à Jésus notre Dieu. Soyez bénis. Be blessed. Shalom, shalom. 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 Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. May all the glory give to our Lord Jesus. Cela vraiment pour témoigner de la fidélité de notre Seigneur. C'est le frère. C'est le frère Josué. I'm brother Joshua. C'est pour vraiment témoigner de la fidélité de notre Seigneur Jésus. Testify for faithfulness of our God Jesus. C'est vrai, il est écrit que l'ennemi ne vient que pour tuer, détruire et égorger. Mais Jésus a dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. La parole de Dieu aussi a déclaré que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. To destroy all the works aussi, of the il est écrit que ce que l'ennemi a volé, que l'Éternel va me les restituer. The Eternal will restitute for you. Donc vraiment, pendant ces deux semaines, during those two weeks, j'ai vu que ces versets ont commencé par se réaliser dans ma vie. Parce que le destin de l'ennemi, c'était de m'éteindre complètement, d'empêcher tout ce que le Seigneur a prévu, a programmé pour moi et aussi pour faire au travers de ma vie. Mais le Seigneur étant fidèle, le Seigneur étant amour et n'abandonnant pas ses enfants, il est en train d'agir. Et tout ce que j'ai entendu pendant ces deux semaines, redonner la force, m'ont redonné l'espoir. Et le Seigneur a commencé de grandes œuvres, des œuvres de résurrection, works of resurrection. En tout cas, de grands miracles dans ma vie. Some big miracles in et je sais qu'il a commencé. Et je sais aussi qu'il va continuer. Et il va l'achever pour la gloire de son nom. Do it for the glory of his name. Clamons le Seigneur pour sa vie. The Lord for her life. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ont été Israël sans sentir. Nous avons été Israël sans sentir. Si je ne bénis pas le Seigneur, je serai ingrat. Et c'est comme si Dieu a fait des choses pour moi et je ne lui remercie pas. Quand j'étais assise et que je ne me levais pas, mon cœur ne faisait que battre. Ce que Dieu m'a fait, c'est que le réveil, Jésus revient, dans lequel nous sommes entrés, ne donne pas joie à l'ennemi.
Et il est tellement en colère. He was angry. Et il suscite beaucoup d'affronts contre mon foyer. And start fighting against me. Les premiers sept jours que nous avons fait, à la fin, dans la semaine qui a suivi, mon fils aîné était vraiment malade. I think it is only malaria. Et moi, je croyais que c'était juste le palu. Nous étions partis à l'hôpital. On a fait des analyses. Ils n'ont rien vu. Et ils ont parlé d'ité. J'ai dit, je vais commencer à faire des veillées pour lui, prier pour lui. Je demandais au Seigneur de m'aider. Et il y a un vendredi. One Friday. Et je m'étais couché, j'ai programmé me réveiller à 0h pour prier. And awake at zero time to pray. 23h48 ndo amlo me adade bono se fiense tache do no se brida khore ro fine. Mais vers 23h quand j'étais dans le sommeil, j'entendais à mon sommeil à la tête des bruits. À cause du bruit, je me suis levé. Et j'ai dit, mon fils, lève-toi, nous allons prier. Mais il ne pouvait plus se lever. Le jour-là, j'ai vu la gloire de Dieu. The glory of God. Si vous servez Dieu, servez-le avec un seul cœur. Cependant, si vous avez un pied dans l'eau et un pied sur la terre ferme, vous allez vous noyer. Parce que ce que j'ai vu m'a permis de dire au Seigneur qu'il est grand et qu'il est fort et puissant. Parce que le diable, l'ennemi voulait mettre dans mon foyer la mort subite. Cependant, le Seigneur a dit non. Parce qu'il y avait beaucoup de sabotage de l'autre côté où nous étions quittés pour intégrer le groupe, l'église Jésus revient. Et je bénis le Seigneur qui m'a vraiment ôté de cette honte. Le diable voulait mettre sur moi cette honte pour m'humilier, mais le Seigneur m'a sauvé et je bénis le Seigneur. Je bénis le Dieu d'Israël. Vous-même, vous connaissez mon enfant qui vraiment a eu la sorcellerie. Et pendant sa délivrance, beaucoup d'attaques sont parvenues dans la famille. Je bénis le Seigneur parce que les hommes diront après, voilà, comme rien ne marche, ils ont pris l'enfant et ils l'ont sacrifié. Mais je bénis le Seigneur qui n'a pas permis cela. Pendant les deux semaines during the 2 weeks de réveil, le Seigneur m'a réveillé dans beaucoup de choses parce que je dormais encore, mais il m'a réveillé.
Et je vais chanter pour remercier le Seigneur Jésus. Thank the Lord Jesus. Jésus nous bénit. Parce que Jésus est vivant, j'ai la conviction, j'ai la foi, j'ai l'espérance que mes situations, mes problèmes sont dans, entre ses mains. C'est dans sa main que se trouve toute ma vie. Maintenant et jusqu'à la fin du monde. Parce que Jésus-Christ est vivant. J'ai la foi, j'ai la conviction, j'ai l'espérance que mes attentes, mes situations, mes problèmes se trouvent entre ses mains. Et ma vie tout entière se trouve entre ses mains. Aujourd'hui et jusqu'à l'éternité. For everlasting. Ce chant dit, Sauveur, je te loue. Jésus-Christ, je t'exalte. Tu es le seul sauveur. Jésus seul est le sauveur. Il est le seul sauveur que je loue. Il est le seul sauveur que j'exalte. C'est lui qui a tout créé. Il y a certains qui adorent les fétiches. Mais moi j'adore le vrai sauveur. Même les arbres lui disent Seigneur sauveur. Sauveur. We don't have two saviors. Jésus seul est le sauveur. Only Jesus is the savior. Il n'existe pas deux sauveurs. Il n'existe pas plusieurs sauveurs. Mais il y a un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Il y a certaines personnes qui adorent les arbres. Ils adorent le sable. Et ils appellent cela Dieu. Ils appellent cela sauveur. Mais Jésus est le seul sauveur. Jesus is the only savior. Le seul libérateur. The only freedom. Mon seul secours. My only rescue. Oh, merci Seigneur Jésus, sois loué. Alléluia, alléluia. Ce chant est un chant merveilleux. This song is marvelous. C'est un chant qui a traversé mon âme. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Soul. I bless the Lord Jesus. Les témoignages. On va recevoir encore deux témoignages. We receive two more testimonies. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Allez-y. Moi, c'est la sœur Anne. Me, I'm sister Anna. Et lors du séminaire, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous avez au plus
3 minutes au plus. Lors du séminaire, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et avant le premier séminaire, j'avais ma maman qui est décédée. Donc, on a déjà fait le premier séminaire avant le décès de ma maman. Maintenant, je suis revenu à Cotonou. I come back to je Cotonou. Fais les visions, je vois ma maman, celle qui est déjà morte dans la vision. Je dis ça, c'est pas un bon signe. J'ai commencé par prier. Et je me suis bien préparé avant l'enterrement. Maintenant, je suis allé à l'enterrement. Il y a une soeur qui a dit, je me suis bien préparé parce que je sais que lors de ce genre de choses, l'ennemi se prépare beaucoup pour attaquer les enfants de Dieu. Donc le Seigneur m'a convaincu de ne pas saluer quelqu'un quand on dit bonsoir ou bien bonjour à quelqu'un. De saluer toujours au nom de Jésus ou bien de dire shalom. Donc il y a un frère là, avec son grand frère, je les ai salués un jour, je les ai dit, enfant, que la paix du Christ soit avec vous, tiens, shalom, quoi. Chaque fois, si je les vois, c'est ce que le Seigneur me convainc de les dire. Si je dis ça, c'est problème. Et le Seigneur m'a dit, continue. Un jour, le grand frère est venu chez nous et j'ai dit, au nom de Jésus, je t'ai salué. Il m'a regardé, il est recueilli. Une autre jour, il est venu encore. J'étais là, il m'a dépassé et il voulait affranchir notre maison. Il est tombé. C'est tout comme si quelque chose l'a projeté par terre et il est tombé par terre. Et il s'est levé. J'ai dit, Seigneur, tous ceux qui ne glorifient pas ton nom, qui va venir ici à cause de moi, ils vont tomber. J'ai déjà fait cette prière dans la nuit et il est venu le matin, très tôt le matin. Il est venu en même temps quand je l'ai salué. Il ne m'a même pas répondu. Il voulait traverser. Il est tombé en même temps. Je suis revenu à Cotonou maintenant. C'est des visions de mort. Il y a trois soeurs dans notre maison qui a vu que j'étais décédée. Et j'ai dit, moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Donc un jour, il y a un homme de Dieu qui m'a appelé pour un autre problème. C'est là le Seigneur est en train de lui révéler que au fait que la mort de ma maman, c'était moi, il voulait plan, ça n'a pas marché. Et c'est comme ça, ma maman était partie. Donc, la famille paternelle était d'accord. Donc, il s'attend la famille de l'accord maternel. Et l'homme de Dieu a révélé pas mal de choses le jour-là. J'étais tranquille. Et l'homme de Dieu m'a demandé, tu as peur? Et j'ai souri. J'ai dit, moi, je n'aurai jamais peur. S'ils ne m'ont pas tué depuis que je ne connais pas le réveil, au moment que je n'adore même pas Jésus en tant que tel, le Seigneur m'a déjà ressuscité trois fois. Ce n'est pas maintenant. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de ces menaces de mort. Je n'ai pas peur. Et un jour, j'ai fait un songe. On m'accusait dans mon sommeil que c'est moi qui a tué ma maman. Et j'ai dit, moi, je n'ai tué personne. Et on m'accusait fortement que c'est moi qui l'a tué. Moi, je ne l'ai pas tué. Et j'ai vu qu'ils sont allés cacher le corps de ma maman quelque part. Le Seigneur m'a amené, j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça, ils ont su que j'ai vu. Tout le monde attendait à ce que je me manifeste, mais je ne disais rien. Et le Seigneur m'a dit, lève-toi de là et sors. Je suis sorti de l'endroit là. Après ça, il y avait des menaces de serpents. Je rêve, c'est des serpents, je vois. Au fait, ils lançaient des trucs pas possibles et le Seigneur m'a révélé trois serpents. Il y a deux qui sont dans la famille paternelle et il y a un qui est dans la famille maternelle. Donc, lors des séminaires, on était à la maison dans les prières de midi. J'ai vu les trois serpents. Les trois serpents, je les ai ramassés comme ça et je les ai donnés à un homme de Dieu. Et je disais, les deux là, c'est de la famille paternelle. Et celui qui est au milieu, c'est de la famille maternelle. Et j'ai donné les trois serpents. Donc, dimanche suis passé, le mercredi, j'étais là, je voyais un grand serpent comme ça. C'est pas je dors, je vois le serpent, c'est tellement grand. Et j'ai dit, c'est quoi ça? I say, what is it? Donc le dimanche, on est venu à l'église, c'est comme ça, on a commencé par prier pour moi. Et l'esprit de serpent s'est manifesté réellement. J'ai vu que le Seigneur m'a délivré réellement. Lors du séminaire, on est à la maison. Un jour, j'ai dit à Dieu, moi, je veux connaître mon état spirituel. Comment je suis spirituellement? Quel est mon état spirituel? Quand j'ai dormi la nuit, j'ai vu qu'on était nombreux quelque part. Il y avait quelqu'un qui est au milieu. Il y a une voix de ce côté, il y a l'autre de ce côté, l'intéressé au milieu. De ce côté, c'est la lumière et de l'autre côté, c'est... De ce côté, c'est l'obscurité et de l'autre côté, c'est la lumière. Donc, ils ont appelé la première personne.
Elle a pris là où il y a la lumière, elle est partie. Les autres, ils ne font que... Et si on t'appelle, il y a un dossier, genre, quelque chose comme agenda façon, et c'est like grand, on sort, diary, on fouille. On te dit de prendre l'autre côté ou bien de l'autre côté. Donc j'étais là, je priais. Quel côté je vais prendre. Et à mon niveau, je suis venu. La personne a pris pour moi. Il a lu. Et il est venu. Il a pris un stylo. Il a écrit. Il a écrit quelque chose derrière feu là, mais c'est en hébreu, je ne comprenais pas. Il m'a dit de m'attendre là. Il ne m'a pas dit d'aller à gauche ni à droite. C'était left or right. Je suis où dans tout ça là? I see where I am. Je suis où? Where et I c'est am. Là j'ai commencé par prier. J'ai vu que le Seigneur même il est venu. Il a pris maintenant come. Mon dossier. Quand il a pris le dossier, il m'a dit de venir. Quand je suis venu, il a dit tu vois, il a feuilleté cinq feuilles comme ça. Il a déchiré. Alléluia. Il a pris autre feuille maintenant. Et il a mis ça là où il a déchiré les autres. Maintenant, l'écriture que l'autre avait écrit, il est venu. Et c'est qu'il a lu l'écriture en français pour moi, quoi. Quand il a fait quelque chose, et ce que l'autre avait écrit, c'est. Vous avez dépassé. C'est venu en français. Quand c'est venu en français, j'ai lu. Et l'écriture disait, c'est difficile d'aller au ciel. Et le Seigneur a dit, il te reste un peu de choses à faire encore. Et les papiers qu'il a déchirés, il a pris ça et il a remis des papiers vierges à la place des autres papiers qu'il a déchirés. Le Seigneur fait autant de choses dans ma vie. Lors des séminaires, ce que le Seigneur a fait dans ma vie, je ne pouvais même pas, si je vais témoigner, ce serait vraiment long. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup d'autres relations que j'ai avec le Seigneur. Avant, quand j'avais reçu Christ, si je me couche la nuit, je vois chaque fois quelqu'un qui vient. When la I personne Christ, porte un manteau blanc. Il m'amène quelque part sur une montagne. Je m'assois par terre, lui, en haut quelque part. Mountain. Et il cause avec moi toute la nuit. Je me réveille, c'est pas tout comme si j'ai dormi. J'avais perdu ça avant. Mais lors du séminaire, le Seigneur a dit qu'il a restauré ça encore. Et il a écrit ça en hébreu. Et j'ai vu ça encore. Il m'a expliqué ça. Donc je bénis le nom de l'Éternel. Alléluia. Témoignage. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vos casiers judiciaires sont vierges. All your... C'est écrit. Criminal case, vous savez, virgin. Je ne sais pas si vous avez compris. Ce séminaire-là, V-seminary, comme quelqu'un a dit, quelqu'un a dit que le diable était enragé. C'est une réalité. Someone said that the devil was. Il est enragé. Anger. He was anger. It was a reality. Ce qu'on a eu dans le séminaire-là, pourtant, ça l'a mis dans tout son état. Il ne veut pas. In all his state. He don't want it. Mais Jésus sur son trône, but Jesus in his throne, a mis casier judiciaire. Had written criminalities, vides. Gloire au Seigneur Jésus. Je demande pardon au Seigneur Jésus pour toutes les fois qu'il a fait des grandes choses dans mon foyer, dans mon mariage. Et je n'étais pas venu témoigner. Je Lord, demande pardon au nom testify. Puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand Glory j'ai commencé cette église, Dieu m'a donné N'oubliez des visions. N'oubliez pas le nom. C'est la sœur Esther. Est toujours pas là. C'est la sœur Esther. Soyez bénie. Dieu a commencé par me faire voir des choses, des God visions. To make me some vision. Maintenant, quand on a fini les deux semaines de jours de séminaire passé là, After le dimanche, days of mon mari a été attaqué la nuit au pied. Sunday, il me disait mon pied. J'ai prié, lui-même priait. Et ça l'a lâché. Encore il s'est reason. Réveillé, encore il dit mes pieds, he mes pieds. On a legs. Prié, ça l'a lâché. Je devais voyager le lundi pour aller au Nigeria. I have to go to Nigeria. Je disais, non, je suis Dieu, je ne peux pas manquer ce voyage, je dois aller à Lord, ce voyage, quel que soit le plan de l'ennemi. Maintenant, whatever j'ai voyagé, le lundi, j'étais bien parti. The morning le I went mardi, away. Je retournais Tuesday, I'm coming back au Bénin. J'étais encore au Nigeria, j'ai pris un bus. I take maintenant, bus. Je dormais dans le bus. I was sleeping et puis, j'ai into vu the que bus. Le bus est tombé dans un trou, je me suis réveillé. I saw that et the j'ai bus dit, sang de fall Jésus. In the deep. Maintenant, quand j'ai dit ça, après un doux sommeil, il m'a pris, un sommeil léger, il m'a pris seulement. J'ai commencé par somnoler un peu. J'ai vu mon fils Samuel qui était venu témoigner ici pour ses Samuel yeux. Je l'ai vu dans la vision, vite, il s'est bien habillé. Il a fait comme ça. Dress. Ça veut dire victoire. He make il souriait, il a fait comme ça dans la vision en même temps. Et j'ai dit, ou bien quelque chose lui est arrivé à la maison. J'ai commencé par prier. I start praying. Maintenant, arrivé à la... Parce qu'à chaque destination, les gens at devaient descendre destination, people will come rentrer down. Chez eux.
Maintenant, il y a quelqu'une qui a dit qu'elle veut descendre ici. Et le chauffeur dit, oui, je vais attendre. Le chauffeur veut partir en même temps. Il y a un bélier qui avait du sable, qui voulait entrer dans une voie, parce que nous, on venait, eux, ils allaient. Ils voulaient entrer dans une voie, là. En même temps que nous, on a quitté, il n'y a même pas une minute, parce que le bus savait, le Saint-Esprit est entré dans le monsieur. Il a dit non, qu'il ne va pas garer, s'il va aller un peu. En même temps, j'ai entendu, le bus qui nous suivait, là, le bélier a propulsé ça devant là-bas. The et bus tout le monde a commencé par crier, j'ai dit Seigneur Jésus merci. Parce que chaque fois que je vais entrer dans le bus, je dis Seigneur, tu as dit dans Jean 14 verset 27 que tu nous donnes ta paix, tu nous laisses ta paix, que mon cœur ne se trouble point, que cela ne s'alarme point. J'ai remercié le Seigneur, j'ai traversé la frontière, je suis passé parce qu'on n'est pas, je suis passé par Igolo. I crossed the border. Arrivé au Niger, à Port Novo, j'avais pris un autre véhicule, j'allais seulement debout, il y a une moto qui était devant nous. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est parti se cogner à un arbre et ça a tipé le pneu. L'arbre a tipé le pneu de sa moto. Il est venu devant nous en même temps. Le chauffeur a évité ça. Et j'ai dit gloire à Dieu. Donc Dieu m'a délivré de deux accidents. Donc je lui donne toute la gloire. Merci Seigneur. Et je remercie aussi le Seigneur parce que mon fils Samuel a eu son CEP. Merci Seigneur Jésus. Je vais entendre seulement une petite chanson. Amen. Tu es merveilleux, tu es glorieux, oh Dieu, tu es merveilleux, Jésus, tu es glorieux, oh Dieu. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Be blessed. Le Fils aussi veut témoigner. Clamons le Seigneur Jésus. Let's clap the Lord Jesus. Shalom, shalom. C'est le bien-aimé votre frère Samuel. It's your brother Samuel. Soyez béni, frère Samuel. Amen. Je veux remercier le Seigneur après ces deux semaines de séminaire, le Seigneur m'a renouvelé et il m'a donné le don de guérison. Alléluia. C'est ça le feu du réveil. Qui touche les grands, les petits et tout le monde. Everybody. Et je remercie aussi le Seigneur parce que j'ai pu passer à mon CEP. Because I received, Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. Alléluia. Gloire à Jésus. Nado fongwe bransi yi gandi. Je vais m'exprimer en fond pour bien parler. Oh. Va fongo belo chobonu. Oh. No dahu dahu le ko jeji Georgia. Le réveil n'a pas Vous parlez de quel réveil? Sept jours. Voilà, c'est un moment, c'est programme de 7 jours n'ont pas encore commencé avant que Dieu ne fasse de grandes choses dans notre vie. Dieu faisait de grandes choses et si je devais témoigner de tout cela, j'ai parlé à ma soeur quand j'étais assise derrière. Est-ce que je dois encore témoigner? Parce que si je prends le micro, je ne sais pas si je vais finir. Alléluia. Amen. Et le réveil de 7 jours qu'on vient de terminer. Alléluia. Voilà. Donc vous allez m'excuser, je vais parler un peu de tout. Don de guérison. L'Éternel Dieu m'a donné le don des guérisons. Et quand j'étais dans l'autre église de la Voie Large, et à plusieurs reprises, quand il y a un malade et on me dit, va, prie pour elle, prie pour lui. Go and pray to her or him.
Même si la maladie est vraiment pénible, quand je m'en vais, le Seigneur guérit Even cette personne. Dieu m'utilisait ainsi God was using me là-bas et there. Maintenant je suis que je suis venu dans and la vérité. On don exercer moi. Je ne n'exerce plus ce don. I not use this thing. Bon, et vos fonds si venois en terre de mi blobo. Et oh, we were mouth on the mess down and we want to come. Balawan, go on, one more on the tail that I didn't die. You two are why hang le dans les, bon. Les sept jours, le serviteur de Dieu demandait. Que ceux que le Seigneur va utiliser, demander au Saint-Esprit de les amener et aussi demander à certaines personnes de venir. Mais je ne voulais pas vraiment me disposer pour cela parce qu'il y avait mes frères et sœurs qui tombaient et j'étais là pour les garder aussi éveillés pour qu'ils ne tombent pas. C'était dans ce service j'étais quand le prophète Élie m'a imposé les mains. Gudobo na gudo inde on wa do sisi ebe edo dido edo o note ma o so mi do on ko de o. Et après cela j'entendais, j'étais entré en extase et j'entendais cette parole. Tu n'es pas encore à la place que Dieu t'a mis. Bon eni on gudo de vo fon sept jours les fo nyen fo nou blabla an les bien nou blabla mais bon noy wa klou non. Après les sept jours, moi j'ai continué dans le jeûne et je disais, Seigneur, quelle est cette place que je dois occuper et où je ne me trouve pas? Je me suis tellement lamenté, j'ai demandé au Seigneur, où est-ce que je dois rester? Qu'est-ce que tu m'as demandé de faire? Et c'est quand je priais que j'entends une voix qui me dit, avant tu faisais quelque chose, tu me servais dans quelque chose, mais maintenant tu ne le fais plus. Je commençais à me plaindre. Seigneur, soutiens-moi pour que je puisse reprendre mon service. Il y avait un bien-aimé qui avait dit que ce réveil fait tellement mal au diable qu'il est furieux. J'ai dit au Seigneur, personne ne saura. Mais ce sera en toi et moi. Je sortirai après l'intercession du vendredi. Et j'irai dans un hôpital pour prier pour les malades. Je trouverai quelqu'un et je vais prier pour lui, un malade. Et je disais ça et je cherchais celui qui allait me remarquer, mais il n'était pas là. Et ma soeur aussi m'avait suivi. Le jour, il y avait vraiment des camions sur la voie. Et seulement, on voulait traverser la voie. Et j'ai vu le grand camion qui venait. Et il y a un autre qui quittait un autre côté qui venait vers moi. Ces camions ne nous ont même pas approchés et en ce moment, ma soeur m'avait dévancé. Quand moi je voulais traverser, c'est comme si quelqu'un m'a frappé les pieds et je suis tombé au milieu de la voie. Et il y avait le camion, un géant camion qui venait. J'ai crié Jésus, je me suis levé. Et je me suis levé, mais mes genoux étaient déjà vraiment
blessé, il y avait du sang. Et j'ai pris force et j'ai dit, le diable ne veut pas que je parte, mais je partirai. On a cherché vraiment de tasser, mais on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé de moto pour nous prendre. Mais finalement, j'ai dit à ma soeur, on laisse pour aujourd'hui et on reporte ça. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel des armées. Je lui demande aussi s'il y a un travail qu'il veut faire dans ma vie ou que je lui fasse qu'il me révèle encore. Alléluia. Amen. Esaïe 43, verset 3 à 4. Je donne l'Égypte à ta place et l'Éthiopie. Esaïe, le lecteur va nous lire ça. Esaïe quoi? Esaïe 43. 3 à 4, je crois. Verset 4. Voilà, lisez-nous. Esaïe 43, le verset 12 à 14. Non, 3 à 4. Esaïe 43, verset 3 à 4. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Amen. Amen. On nous aide mal au début au monde, on tourne dans notre monde, mais t'es bête à mini one, mais bon, il en a donné dans mini one, bon. Je sais que le Seigneur me dit souvent qu'il m'aime et moi aussi je lui dis que je l'aime. À moi, tu en as blanc, nous d'accordé, doit s'en aider, bon souvent. Oh, il voulait faire quelque chose de grand en ce jour, mais je ne savais pas. Sept jours de mi bloc pour. Et dans le dépouillement, dans la vérité, parce qu'ils prétendent que je suis dans une secte. Mais bon, jour un peu de vite et de poids. Bon, nous combien j'étais venu avec ma dernière fille et j'avais les yeux fermés. Papa pillé wedo et message de Benegbe. Bon, mais comme le message au plus bon. Le jour-là, c'était l'apôtre Pierre qui prêchait. Et après le message, il a commencé l'adoration. Adoration, ouais, quand j'ai fermé mes yeux, que quelqu'un est venu me dire, lève-toi. Quand je me suis levé, je regardais partout, je disais, est-ce qu'il y a quelque chose? Je me suis levé, je priais. Et l'esprit me dit, ouvre tes yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu ma dernière fille dont je parle qui s'est couchée devant l'église. J'ai pris de la glace pour essayer de la réveiller, mais ses yeux étaient déjà tournés. Elle était tombée devant. Son corps était devenu pâle. Je criais à Jésus. Et c'était le moment de l'adoration. Daniel
C'était en ce moment que le serviteur de Dieu, docteur Daniel et évangéliste Daniel, étaient venus pour prier, pour soulever l'enfant. Et c'est après une heure de prière que l'enfant s'est levé. Délivrance moi de pépé mais ye djegu do ti lo na do yami do kaka église do na moto do nu mi do les 7 men de outo. Ils se sont levés contre moi me pour m'humilier dans l'église pour me confirmer que je suis dans une secte. And confirm that I'm in two sects. De khode ni pépé le wai de meon asra tun do nu mon koton wa ile retrouver de bi. Et après la prière quand elle s'est retrouvée, tu ne sauras même pas que quelque chose du genre lui est arrivé. Gloire à Jésus. Et arrivé à la maison, j'ai commencé à prier. Seigneur, d'où cela est venu? Tu donneras l'Égypte pour ma rançon. J'ai commencé à prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la mort qui m'ont lancé s'est retournée dans le camp ennemi et a tué là-bas. Et ça a été pour moi encore vraiment, ça m'a fait pitié, j'ai pleuré. En ce moment qu'il tentait à tuer ma fille, le Seigneur, comme il a dit dans Esaïe 43, il a mis l'Égypte pour ma rançon et l'ennemi est tombé dans le même trou qu'il a creusé pour moi et ma fille. C'est en ce, le, au moment où la mort avait frappé l'autre côté. C'est en ce moment que ma fille était en train d'être baptisée. Et je voyais la gloire de Dieu. Et cette joie était aussi mêlée d'une tristesse. Mais je voyais que Dieu m'a fait quelque chose de grand. Amen. Bon, on a dit Psaume 91. Alléluia. Oui, mais non, nous biouk pétosi, yetele tchegolole, donna koulou non towe. Elle est en train de chanter le psaume 91. Oui, ya boe yetewe, unde boka de dile. Aklou non do pohami bo, un fili bo di no de mi. Mandala si kante me o, bo manjo mi to pede o. Ta tekpo no jo mi to la jalan non non remi to u. Do me do pele ye me, do nou kakulu no to we. Do nou kakulu no to we. Galaboda konpe pakpo u, bo de ti da kulu no u. Aklou non do kwa hami bo, ou fili bo ti non de mi. Alléluia. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Les témoignages, on va reporter ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va vous laisser 10 minutes au total et vous allez passer. Oui. Oui, vous pouvez passer. Après les 10 minutes, il n'y aura plus de témoignage. Gloire à Jésus. Glorie donc vous Dieu. Arrangez pour partager les 10 minutes. Alléluia. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Gloire au Tout-Puissant. Je bénis le Seigneur Jésus. I bless the Lord Jesus. Pour cette occasion qu'il nous a donnée. For this occasion he gave us. Je bénis son nom pour la vie du serviteur Élie qu'il a envoyé. Je bénis son nom pour la vie de l'évangéliste Jean Gracien qui a planté par le biais de Jésus et qui a permis à l'évangéliste, au prophète Élie de venir arroser. Bénissons le Seigneur Jésus par acclamation, s'il vous plaît.
les sept jours de séminaire qui sont passés dernièrement, j'ai reçu ce dimanche-là son appel. I received that Sunday his calling. L'appel était si fort que je n'ai pas pu résister. The call was so strong, I'm not able to resist. Lorsque le serviteur disait when the servant said, que quelqu'un est devant là that someone is here, et que le Seigneur appelle and the Lord is à son service, to his service, je ne pensais pas que ce message s'adressait typiquement à moi. I don't know that this message is for me. Je résistais et je me disais que j'ai tellement de boulot à faire et donc ce n'est pas encore le moment. I was resisting and say I have many things to do. It's not the right moment. Parce que c'est vrai que le Seigneur m'a fait voir au travers d'une vision il y a de cela quelques mois un appel de ce genre. Through one vision and calling from this time. Je me disais que il reste encore un peu parce que j'ai tellement de choses à faire. I have many things to do. Mais lorsque le serviteur insistait, j'ai dit au Seigneur, vraiment, si c'est moi, si c'est de moi qu'il s'agit, Lord, me, Seigneur, fais quelque chose, fais soulever Lord, mon bras tout au moins, fais quelque chose. Give me sign. Mais j'ai entendu une voix qui disait, said, ce n'est pas ton bras que je vais soulever, mais tes deux jambes. It is not your, et c'est comme ça que j'ai vu une force qui me tourmentait au travers de, par ma taille d'abord. Et après, j'ai vu ma jambe droite se soulever. Et au fur et à mesure, ça me faisait avancer jusqu'à devant l'autel. Et c'est comme ça que j'ai vu les serviteurs de Dieu commencer par prier pour moi. J'ai entendu beaucoup de choses. Le Seigneur m'a montré comment plusieurs faux prophètes ont envahi sa terre. Et le Seigneur m'a rappelé combien plusieurs de ma famille en sont concernés. Excusez-nous, s'il vous plaît. Regardez, essayez de fixer le peuple et la caméra. Et revenez un peu en arrière. C'est très important. Quand vous parlez, regardez le public et la caméra surtout. Gloire à Jésus. Amen. Alors donc, je disais que le Seigneur m'a parlé. Oui. Il m'a parlé de deux. Il m'a parlé de deux faux prophètes qui sont issus directement de ma famille. Coming from my family. Et donc, il m'incriminait du fait que and he tell me that je m'appesantis sur mes travaux au détriment de son appel et de son travail. My job and not donc, take from his work. Le Seigneur m'a parlé de beaucoup de choses ce jour, donc je ne peux vraiment pas tout dévoiler, mais l'appel était si fort que j'ai décidé de recevoir sa main tendue. Donc, il m'a déchargé de plusieurs de mes activités. Il m'a déchargé, comme il le dit dans Matthieu 11, verset 30. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et donc, très bientôt, par sa grâce, bien sûr, by his grace, les serviteurs vont concrétiser ce rêve que le Seigneur a pour moi. Je bénis son nom. We'll do. Je dis au passage que, au cours de ce séminaire, I said during this seminary, j'étais de cœur avec l'assemblée, mais mon attention était beaucoup plus fixée sur la sœur Déborah. But I focus more on, parce que ça a démarré à l'orée de l'annonce de la démission du prophète Ézéchiel. Because it coming at the et dans le forum, il y a quelqu'un qui avait écrit someone has written qu'est-ce qui se passe dans la maison du Seigneur? Est-ce que les gens ne vont pas perdre la foi? Of the man, of the God, quand j'ai lu cela, people will lose faith. When I read this, j'aimerais rapidement dire à ce dernier I want to que that person, la cible n'était pas le prophète Ézéchiel. La cible, c'est bien sûr notre sœur Déborah. The target lorsque was j'étais our à Alada, il y a un ami qui m'a appelé et m'a dit, viens voir à la télé. Viens voir ce que les gens sont en train de dire du groupe Jésus revient. See what people are telling about group Jésus revient. Effectivement, c'est ce jour que j'ai compris qu'il y avait une cabale qui s'était
levée contre le réveil. Et on présentait la pauvre sœur comme si elle était une déesse de l'église, comme si elle était une fétiche ou une idole dans l'église qu'on suscitait pour dire des choses et que ce qui doit se faire dans l'assemblée. Et donc les gens jetaient tellement de discrédit dans ce documentaire-là sur le réveil. On the revival. Et la pauvre fille était présentée comme ça. And the sister ça m'a fait verser des larmes. I was sweet, et donc, I was quand on a annoncé sa démission comme ça, la démission du prophète Ézéchiel, jusqu'au jour d'aujourd'hui, till today, je n'arrive pas à supporter. Et je me demande comment les support. Chantres qui étaient tellement attachés à elle ont supporté sa séparation. C'était tout comme si c'était un deuil. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, vraiment. À chaque fois que je prie, son nom est mentionné. Each moment I pray, I mention her name. Et la parole de Dieu dit, the word of God dans said, Apocalypse 2, in Revelation au verset 2, 10, verse 10, il dit, said, le diable mettra quelques-uns parmi nous en prison, the devil put some of us in prison pour nous éprouver. To prove us. Ce réveil n'est pas un petit combat, chers frères et sœurs. It's not a small battle. Et je nous exhorte. Exhortes. Le Seigneur a mis à cœur aux serviteurs de décréter les lundis comme une journée de jeûne. Et je nous exhorte à prier pendant les lundis, à prier en invoquant aussi les noms des serviteurs s'il le faut. Un à un, invoquons leurs noms et priez pour eux. Parce que ce n'est pas un petit combat, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce n'est pas un petit combat. Qu'ils vous souviennent que lorsque l'apôtre Abraham est venu ici et il a oint certains, les intercesseurs, moi j'étais pas encore ici, mais j'ai vu ça sous l'écran. Il a oint, après avoir oint les intercesseurs et certaines personnes dans l'église, il est allé directement vers les chantres. Et ce jour-là, le Seigneur lui a dit de oindre la sœur Déborah doublement. Et certaines vérités étaient sorties, des vérités que beaucoup de personnes ne connaissent pas. En l'occurrence, sur cette pandémie, si vous avez souvenance de tout ce qui s'était dit, if you remember what we said, chers frères et sœurs, c'est à partir de ce moment que la cabale a commencé contre l'apôtre Abraham et également la sœur Déborah. Bien-aimés, soyez bref, le temps est parti. Donc, chers frères et sœurs, j'aimerais juste bénir son nom, surtout pour cet appel, et demander au chantre de nous aider par rapport à un chant. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son accomplissement. Elle ne mentira pas. C'est une prophétie. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son accomplissement. Elle ne mentira pas. C'est une prophétie. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son accomplissement. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Elle ne mentira pas. Alléluia, amen. Si elle t'a, si elle t'a, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Si elle t'a dans ton lard. Gloire à Jésus. Si elle t'a dans ton lard. S'il vous plaît. Vous allez nous excuser. J'ai dit 10 minutes, mais le frère, il a pris tout. The brother take all the 10 minutes. Bon, quand vous êtes venu devant. Quand vous êtes venu devant, on va la laisser, elle va finir. Merci. Elle sera la dernière. Merci. Donc, c'est la fin des témoignages. Et idéal. Finissez. Je remercie beaucoup le Seigneur. Nguabuna dokpen mau 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 do azot dako 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 dede do wado bezantie mele.
I greet the Lord for the big thing he did in my life. Before I found Group Jésus revient on YouTube. Allô, Wenwe, bon, la sœur dit dans son témoignage, avant qu'elle ne connaisse le groupe Jésus revient, j'avais eu un songe. Bon, dream. Et dans le songe, on that dream, j'ai été dans un grand hôpital. I went to one big hospital. Et dans ce grand hôpital, j'ai vu. Je demandais aux gens, je veux voir le grand docteur qui a créé ce grand hôpital. Si je trouve quelqu'un, je lui demande, personne ne le connaît. Les gens me disent qu'ils ne le connaissent pas. Et moi-même, j'ai commencé à leur parler. Vous ne le connaissez pas? Sa maison est au milieu de l'hôpital. His house is hospital. Sa maison est au milieu de l'hôpital. His house is in the midst of the hospital. Et c'est là, avec précipitation, j'ai ouvert une grande porte. I opened a big gate. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu une très grande lumière. I received a big light. Big light. Et je me suis réveillé. And I wake. Jésus revient. Et après, j'ai fait la rencontre du groupe Jésus revient. Et c'est là, je disais, alors c'est la grande hôpital que j'avais vu dans le songe qui est Jésus revient. Et me voici, je suis malade. Et pendant les premiers 7 jours que nous avons fait, il y avait quelque chose qui s'est passé. Le Seigneur était descendu le 4e jour ici avec puissance. Jeudi, c'était un jeudi, il faisait tard. Et j'avais ressenti quelque chose en moi. Et j'ai demandé du papier pour aller aux toilettes. Et c'est là que j'ai réalisé que j'ai eu mes menstrues après quelques temps où je n'avais plus. Et j'ai dit, Seigneur, si j'ai vu ceci dans ta maison, cela veut dire que tu veux faire quelque chose. Alors que j'avais un problème de myome, une maladie qu'on appelle myome. Et c'était là et on devait m'opérer. Donc après que j'ai eu mes menstrues, après 8 jours, has make 8 days. Today, as a tenwe, dès qu'il retourne les voyants. Et après aussi les 7 jours de prière. Miwaze, nyepo, de dache po mise, as a tondo te bon mina chode. Ma grande sœur et moi on a pris. We did over 3 days. Mina mina chode do. Vous avez pris combien? On a pris 3 jours de prière. Mina chode, nous mina sur nos lèvres donnent l'ando. Et on a prié pour nos propres vies. Et on s'est répandu aussi. Pour les péchés de nos enfants. Et c'était le 3e jour, on était à l'intercession. Was Friday and we went to intercession. But then we know, et pendant qu'on était en train de finir la prière, le serviteur de Dieu nous disait, quand nous allons rentrer, nous pouvons veiller à la maison et prier. Et je suis allé chez ma soeur à Calavi et on a veillé. On a fait la veillée jusqu'à 4 heures du matin. On est retourné nous coucher, on s'est réveillé à 6 heures.
Et c'est là le Seigneur m'a révélé quelque chose. The Lord showed me something on my dream. Dans mon songe, je voyais. J'avais vu un pot. Et c'est comme si j'avais. Il y a quelque chose qui est sorti de moi et qui était dans le pot. Bon, nous dedo, nous deyin miyomo et blabo si ben sien, ben de pour mais pour qu'on appelle miyom qui était en moi a été attaché, c'était tellement dur et s'est mis déposé dans le pot. J'étais éloigné parce que ce que je voyais n'était pas agréable à mes yeux. Dans le songe, ma grande sœur me disait: prends ça et jette ça. Je disais, ce que je viens de voir, c'est tellement horrifiant que je ne vais pas toucher ça. Et je suis sûr, je me suis réveillé. Et je voulais vraiment toucher là où se trouve le myome pour voir si c'est encore là. Et je n'ai plus trouvé ça. Alléluia! Et j'ai dit gloire à Dieu. Et c'est là que je me suis rappelé que c'est à l'hôpital, l'hôpital dont j'ai parlé. Et j'ai compris que c'était ce grand docteur que je cherchais qui m'a enlevé le myome. Jésus Christ de Nazareth, ton médecin chef d'Arubi, c'est Jésus Christ qui était le chef médecin de ce grand hôpital. Où Jésus revient, voilà, il est là. So Jésus revient. Et bah, tu it is like an hospital. Et selon mon songe, Jésus revient représenter ce grand hôpital dont le chef est Jésus-Christ lui-même. Et chacun d'entre nous qui sommes dans ce grand hôpital, nous allons tous être guéris. Ce pourquoi nous sommes là, il va nous l'accomplir. Quand on est guéri d'un problème, le docteur, il nous diagnostique et il guérit tout le mal. Gloire à Jésus, nous bénissons le Seigneur pour vraiment la phase de témoignage. Que vraiment le nom du Seigneur soit élevé. Les témoignages sont finis. C'est fini. Soyez fortifiés une prochaine fois. Maintenant, il témoigne l'air roué pour nous. Kabimoué, soyez bénis. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons bénir le Seigneur. Et après, nous allons laisser la place aux hommes de Dieu qui vont continuer. Seigneur Jésus, nous te disons infiniment merci parce que tu as fait de très grandes choses dans la vie de tes enfants. Tu as fait des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, les choses qui ne sont même pas montées dans nos cœurs, des choses que nous n'avons jamais imaginées, des choses que la chair ne peut connaître et ne peut comprendre. Seigneur, tu les as faites dans notre vie. Nous te disons merci pour ton peuple. Et nous prions que ceux qui traversent encore des situations similaires, que tu puisses leur accorder de libération, de délivrance. Et nous prions aussi, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui ont témoigné. Nous prions que ta main de protection soit sur leur vie et que tout plan de l'ennemi contre leur vie soit annulé au nom de Jésus. Nous prions maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, que leur nom soit inscrit dans ton livre afin que tu puisses les garder, tu puisses les protéger et que l'ennemi n'ait plus accès à leur vie au nom de Jésus. Et nous prions que tous les combats qui leur restent à mener encore, que tu puisses les soutenir afin que de jour en jour, que leur témoignage soit encore plus grand, que leur témoignage grandisse encore davantage et qu'ils élèvent encore ton nom. Seigneur, nous te bénissons. Continue de faire de grandes choses dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Soyez bénis.